Et salut à tous, c'est Tyr, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Pathfinder 2 de Fontepino. Je suis du coup avec Cécile, avec Ced, avec Birwen et avec Rislo. Nous n'avons toujours pas malheureusement le beau comment il s'appelle c'est... Maxime. Le beau Zoukino. Ah, bah, ouais. Cherchez le nom de son perso, je l'ai oublié entre temps, c'est pas grave. Le Bozukero, mais nous allons faire sans lui. Pour commencer, comment vous allez les gars? Bien. Eh ben moi ça va. Ah bah ça va super. Ah bah ça va. Ah bah dans ce cas nickel. Et du coup, deuxième chose aussi, maintenant qu'on vient de commencer, je propose qu'on fasse tous un blablabli blablou. Ah oui, blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou, je vais y arriver. Voilà, bah du coup, est-ce que dans le public on peut me confirmer que le son est bon? Oui. Tac, si quelqu'un veut me confirmer, et chez moi et chez Cécile, puisque nous sommes en double stream ce soir. Alors tu viens d'avoir une voix robot, je sais pas si c'était chez moi ou c'est tout le monde. Ah. Non, c'est tout le monde. Ah non, tiens. Tu as des problèmes de connexion. Oula, non, ça je peux pas accepter. Ça, on va. Attends. On te laisse trier un petit peu parce que t'es passé en robot. Oh là là. Ah, attends. Ah, j'ai OBS qui. J'ai une coupure de stream. Je relance. Ok. Donc, Tyr revient sur sa chaîne, ne vous inquiétez pas. Voilà, nous sommes de retour sur ma chaîne. Est-ce que je relance un truc ou est-ce que je garde ça? C'est pas grave, son enchaînement est bon. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer sur mon stream qu'on entend bien, s'il vous plaît? Et ensuite, on enchaîne avec le début de la partie. Je vais regarder sur le mien aussi, si c'est bon. Bonsoir. Tyr, voix de robot, oui, voilà. Est-ce que là, c'est bon, dans mon tir, comment ça va? T'as pris quoi comme café? Rosa Paya de Colombia. En fait, j'ai plus que cela. C'était une voix humaine qui a pris ce café. Oui. C'est pas un café de robot. C'est pas un café de robot, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pas de réponse, j'espère pas. Sur le OBS, moi, le son a l'air allé. J'ai l'impression qu'on n'est pas tous au même niveau. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on lance. Le son m'a l'air bon. Merci, Dragon. Tac. Et du coup, on va reprendre là où on en était. Oh. Voilà. Lors d'une victoire, j'ai l'impression. Lors d'une victoire. Il fait tournoi. Il va faire tournoi. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc. Ah oui. Voilà, donc vous étiez dans cette maison, vous avez tabassé ce cher Raffaello. Oui. Et je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais vous avez ce que je vous avais dit, c'est qu'au moment où on s'était arrêté, vous avez tabassé Raffaello, vous avez capturé Raffaello. Qu'est-ce que vous faites de tous ces sous-fifres? Fouiller, ligoter déjà, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Il me semblait qu'on avait dit qu'on voulait trouver un plus gros bateau. Il me semble qu'on voulait les ramener et les ramener à la police, je pense. Ok. À la garde. Ok, donc je vais rajouter les trois bandits avec vous. Mais Raphaël, il va se le ramener à la garde, il va pas être libéré. Moi, je pense que Il va se faire libérer, je pense. Je pense. Alors, il y a deux solutions. Soit on le ramène à l'autre parrain de la mafia et on se fait bien voir par le parrain de la mafia. Ou alors, on le ligote et je pense qu'on a des cellules chez nous. Aussi. Oui, on a une cellule. Alors, merci à Sanzo qui me donne 6,66. J'ai tremblé derrière mon écran en voyant ça. Accepte pas, c'est le chétan. C'est le cadeau de mariage. Tu ne sais pas à quel point tu as raison, Rislo. Voilà. Comme solution, de toute façon, oui, là, vous avez tout ce petit monde, hein, et oui, effectivement, ça ne montera pas dans votre petit bateau. Okay. Après, est-ce qu'il flotte s'il reste? Non, mais on va piquer. Non, il va y avoir un bateau. Oui, ils sont bienvenus aussi en bateau, je pense. Oui, oui. Ok. Vous récupérez tous ces gens-là. Dans la maison, j'imagine qu'on a rien trouvé. Pouh, on n'avait pas encore fouillé. Tu sais quoi? On n'avait pas encore fouillé. On n'a pas fouillé. On n'a pas fouillé. Ok, d'accord. On n'a pas encore fouillé. Vous savez quoi? Regardez.
je vais vous sortir. Je vais vous sortir, créer personnage. Je vais créer un personnage loot. Oh, on peut créer des véhicules maintenant. Oh, trop bien. Oh, trop bien. Oui, il y a des fiches de véhicules. Oh, on trouve un bateau. Alors, je viens de le voir, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous créer la fiche d'un bateau tout de suite. Mais il faudrait qu'on ait notre propre bateau, en fait. Bah oui. Attends, s'il y a des véhicules, et s'il y a des dons pour conduire. Oui, je vais être le conducteur. Ouais, je vais être le conducteur. Quoi que non, il y a pas de don, mais je sais que c'est basé sur certaines compétences. Il me semble, enfin, ça dépend du type de véhicule, mais ça va être genre les véhicules à eau ou avant, ça va être sur la nature, par exemple. D'accord. Et voilà. Ce que je vais faire avec vous, c'est regarder. Je vous montre une fiche de trésor. Hop, je vais configurer les droits de cette fiche de trésor pour que vous puissiez tous pouvoir déjà la voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup ce mode. Et je vais vous rouler du coup des trésors aléatoires avec mon petit mode. Allez, ça c'est cool. Donc c'est pas la roll table de base, on a un autre alors. Ça c'est pas la roll table de base, c'est un mode que j'ai installé, que tu as aussi chez toi d'ailleurs. Hein. Il faudrait que je l'active, alors j'ai oublié. Il est activé normalement, je te l'ai fait activer en fait. Le truc c'est qu'en fait, pour t'expliquer comment je l'ai fait marcher, tu crées une fiche de loot. Oui. Tu vas avoir la fiche de loot qui est pas comme ça, qui est comme ça. Toi, tu vas avoir cette fiche de loot là quand tu la crées par défaut. Oui. Je te laisse regarder sur le stream. Voilà. Et en fait, tu as tout en haut un petit écrou avec marqué feuille. Tu peux cliquer dessus et aller changer la fiche de loot pour aller chercher celle de la loot app. Ça s'appelle PF2 Toolbox Loot App. Et là, ça va te changer la fiche de loot pour la fiche de loot du coup de la tool app. Ah. Et dans celle-là, tu as l'option qui permet de tirer des trésors aléatoires. Oh, mais c'est super. Voilà, on va vous mettre des petites. On va vous mettre. Allez. Une petite dizaine de pierres précieuses. Petites pierres précieuses qui viennent toutes d'apparaître. Et allez, des objets d'art modérés, on va vous en mettre 5. Voilà. Des objets d'art modérés ? Des objets d'art modérés, ouais, des petits objets d'art que vous avez pu trouver dans la maison. Donc, de porcelaine avec des yeux d'ombre. Voilà, donc vous avez une sculpture à l'échelle de Raffaello. Oh franchement, ça c'est tellement cool. Je propose qu'on la ramène chez nous. Ça la ramène, ouais. On va lui ramener la Batcave. On menace de couper la tête de la statue. Non mais franchement, voilà, donc, tout ça va en sac sans fond. Hein. Voilà. Ça rentre. Oui. Je te cache pas que j'essaierai le diadème avant de le mettre dans le sac sans fond. Donc vous avez une idole en corail d'un seigneur élémentaire, donc une idole en forme d'élémentaire bien énervé, une poupée en porcelaine avec une peau d'an, avec des yeux d'ambre, une peinture d'un large paysage et un diadème d'argent avec des péridos. Peut-être que Raffaello comptait l'offrir à quelqu'un. Est-ce qu'il y a un truc, ouais, peut-être qu'il y a un truc gravé dessus, c'est une bonne idée de regarder. Que on pourra regarder dessus. Tu vois qu'il commençait, en fait il avait commencé à graver lui-même. Oh là là. Pour, et il a pas terminé ce bâtard. C'est bien parce qu'on peut mettre pour quelqu'un d'autre, tu vois. Donc vous avez un pour qui est écrit, mais vraiment bien écrit, calligraphié et tout. Et vous savez pas la suite. Oh, c'est pas grave, je le grave avec une dague. Ça. Je pense que c'est la première question qu'on lui pose. Ouais, vraiment. Ouais. Mais après on a un truc qui permet de voir les... Le passé des objets, hein, oui. Si on veut vraiment. Ok, donc j'imagine qu'on a looté. C'était, j'ai un doute, c'était sur cette île qui avait la personne qui était emprisonnée par la connaissance du père de Minerva ou pas du tout. Ça, tu sais pas du tout s'il est emprisonné ou pas, lui. Okay, d'accord. Parce qu'on savait qu'il y avait une personne qui était emprisonnée, non, mais on savait plus où. Voilà, vous n'avez jamais eu la connaissance. D'où. Ok. D'accord. Bon, ben, on le demandera à Raffaello quand il sera réveillé. Ça. Mais de toute façon, vous allez avoir fort à faire. Vous allez du coup commencer à partir vers les docks de l'île. Je vais du coup vous téléporter sur la map des docks. Attends, normalement, si j'ai bien géré mon coup. Voilà, là, vous êtes vraiment dans la nuit noire. Hein. La nuit noire et obscure. La nuit obscure et sombre. Voilà. Exactement, c'est la nuit obscure et sombre. Attends, il manque un des trois Agus là. Bon, c'est pas grave, je vais l'ajouter là. Donc vous êtes dans la nuit noire et obscure. Je vais vous déplacer sur cette map. Voilà,
Donc vraiment, tac. Pour vous, il fait tout noir. Oh là là. Je vais mettre il un. Il pleut. Tac. En plus, il pleut, oui. C'est voilà, c'est. Non. Non, mes cheveux. C'est pour ça que j'ai une capuche. Ouais. Et t'as un chapeau en plus. Oui, c'est vrai, tu as un chapeau. Ça devrait aller. Ouais, j'espère. Bon, par contre, je vais peut-être opter pour un parapluie la prochaine fois. Ah, donc, oui. Ah, donc, vous savez que les deux. Je protège la petite avec ma cape. Tu protèges la petite et du coup, il y a les deux autres qui essayent d'avoir une place. Allez, si. Écoute. Ouais, non, mais s'il y a moyen, je leur donne mon manteau. On prend chacun. Je te couvrir un peu, ouais, voilà. Ok. Ok, bah toi, tu donnes ton manteau à la petite et l'autre petite, elle va piquer le manteau de Raffaello. Ah oui, non, mais qu'elle prenne son manteau. Oh, je la respecte tellement. Je lui souris, tu vois, vraiment bien, quoi. Et quand elle voit que tu lui souris, elle prie son chapeau aussi. Ouais. Elle a la classe avec son chapeau, tu vois. Bon, fais gaffe, elle aura peut-être une aura d'intimidation là qui va nous faire disparaître. Et il faut quand même qu'on vérifie que le manteau est pas magique si elle se barre avec. En tout cas, vous savez que les docks sont par là. Vous avez amarré votre bateau de ce côté-ci, mais vous avez les docks qui sont de ce côté-là si vous voulez essayer de piquer un meilleur bateau. Ouais, moi, je pense que je vais aller voir. Je vais aller voir. Alors ça c'est pour aller dans l'eau, donc c'est pour faire passer le bateau dans l'eau, j'imagine. Ouais, je disais c'est à gauche, à droite vous avez amarré votre bateau, donc ouais. Vous avez votre petit bateau qui est à droite et à gauche c'est là où il y a les autres bateaux quoi. Je vais aller voir les autres bateaux alors. Je déplace tous les. Allez de manière furtive. Pour moi il n'y a qu'une seule lumière. Hein. Ah oui il y a que la lumière de Catalina là qui est allumée. Hein. Ah oui venez, j'attends. Notre médecin. Regardez les horizons. Hop, venez. Tac. J'ai toujours la petite à côté de moi, hein, c'est pas grave si ouais, non, mais voilà, je déplace les gosses en formation. Non, attends, j'ai failli sauter. Non, allez, je l'assume. J'ai voulu sauter. J'assume. Je vais faire un saut en bas. Avec la seule torche que nous avons. Donc, on a bientôt plus de torche. Oui. Il faut faire un jet ou c'est bon? Non, c'est bon. Il n'y a pas de quoi. Okay, c'est voilà, bon. Vous arrivez, vous voyez un petit bateau qui est là et. Ah, okay. Et un autre plus grand qui est. Ah, vous voyez le bout d'un gros bateau aussi qui semble amarré aussi. C'est des bateaux qui ont l'air d'être des bateaux un peu riches, de personnes qui ont de l'argent. Celui-ci a l'air d'être un bateau un petit peu de plaisance, tu vois. Ok, voilà, c'était un peu ma question parce que ça me gênerait de voler le bateau d'un pêcheur, tu vois. Après, t'as la petite barque qui est là où les gens ils semblent pas pouvoir rentrer dedans, quoi. Enfin, où tu peux pas mettre tout le monde dedans. Et ouais, bon, t'as. Un yacht, c'est bien un yacht. Voilà. Il y a un nom sur le bateau ou un truc qui permet de l'identifier comme ça. Ouais, t'as un nom sur le bateau. Je vais pas te. Ou alors je vais te générer un nom tout de suite. Attends, je fais pop un PNJ, ça va donner un nom. Il s'appelle le patronat. Il est marqué Donian. Voilà. Donian. Comment? C'est le Donian. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Connaissance Society, ça passe? Allez, Society. Ouais, Society, ouais. Mais il est compliqué, quoi. Là, c'est vraiment genre pour le cheval. Le cheval, c'est qui c'est? Mais le cheval, c'est, en fait. Non, ça vous dit rien. Pourquoi les... Non, c'est... Pourquoi c'est Society, c'est Minerva. Ah. C'est mon rôle, mais... C'est parce que J'allais dire le cheval qui a plus 10 dans Society, c'est chaud quand même. vous ne connaissez pas du tout en fait. Hein. Ouais, c'est la personne qu'on connaît, on peut le prendre quoi. Ouais, c'est un emprunt. C'est un écoute, emprunt, ils en ont probablement deux. Tu vois, c'est des riches. Ça va. Attends, je vais fouiller de voir s'il y a personne à bord. Je vais écouter et voir. C'est quelqu'un de la petite île. Oui. Ouais, mais il peut dormir dans son bateau. Oui, non, mais oui, c'est pour ça que si tu n'entends personne, moi je me montrais discrètement dessus en fait. Ok, j'écoute. Je fais 15. Il y a beaucoup de pluie, j'entends peut-être pas bien. T'entends pas grand chose. Ok, bon, bah je pense que tu peux aller fouiller. Hein. J'ai monté discrètement sur le bateau.
Je regarde Cosimo partir blessé. J'essaie de ne pas mettre du temps sur lui. Oui. Tu veux peut-être que je te soigne avant, Cosimo, non? Bah écoute, oui, pourquoi pas. Ça serait peut-être mieux. Mais du coup, j'ai mal. T'as un jet de médecine. Là où il y a les grosses taches de sang, tu vois. Pas oublier que sinon, ouais, faire, les impositions des mains toutes les X minutes. Là. Toutes les 10 minutes, tu peux en faire une. Toutes les 10 minutes, hein. Du coup, je vais faire un DC 15 avec assurance. Donc, du coup, ça passe. Ok. Bon, pour expliquer quand même, assurance, en fait, c'est un don qui permet de ne pas lancer de dés à la place, de dire que je fais 10 plus mon score de maîtrise, et puis c'est tout. Ah, c'est bien, ça. Et donc, pour Karina, ça lui assure un médecine qui passe, quoi. T'as le temps de me soigner. Et du coup... Tu peux en soigner combien de personnes? Quatre, mais fais un don. Après, t'auras pu prendre le temps de les soigner avant de venir, avant de sortir sous la pluie. Hein. Ok. Je pense que vous aurez eu le temps de vous mettre max PV. De toute façon, si elle vous soigne, si elle prend le temps de vous soigner. Okay. Merci dans le jeu et OMJ. Donc, ça fait combien de PV alors? Tu peux te mettre au max là. Ok. Ah, ok. Okay. Okay, merci. On va prendre une heure et ça va être bon. Le temps de fouiller et tout. C'est ça, donc là. Ouais. Vous allez commencer du coup à fouiller le bateau, j'imagine, pour voir si quelqu'un est dedans. Ouais. Ouais. Vous allez entendre du coup une voix un petit peu plus loin qui va vous dire: ah là là, c'est pas bien ce que vous faites là, messieurs dames. Est-ce que on voit quelqu'un qui nous parle? Que la masse... Ah, j'ai changé. Yes. Qu'il sorte de l'ombre et qu'il se montre. Je fais un jet pour me cacher, en fait. Oui, je fais attention à chaque fois. Pour voir, tu vois. Pour s'il y a un problème, être prêt à... Donc, il te faut un jet de sneak, j'imagine. Ouais, tu peux faire un jet de sneak, mais bon, c'est compliqué. Alors, normalement, j'ai assurance stealth, donc qui me permet de faire 10 plus 12, donc 22. Alors, c'est 10 plus 12. En fait, tu prends pas ton modificateur de dextérité en compte là-dedans. D'accord, donc ça fait... Donc ça fait 10 plus 8, donc 18. Donc ça fait la même chose. Voilà. Du coup, tu commences à essayer de te cacher, en fait. Tu entends juste une voix qui dit « Pas la peine de te cacher, c'est trop tard, hein. » Ah, quoi ? Et je fais semblant de ramasser un truc par terre, tu vois. Et du coup, vous voyez une torche qui s'allume un petit peu plus loin. On aurait dû éteindre les torches, je le savais. On va voler celui-là. C'est qui lui? Oh, c'est Albatar. Voilà, donc vous voyez un homme, et alors, vous avez les dossiers en tant que joueur, hein, mais en tant que... Enfin, en tant que personnage, hein, je vous rappelle que vous ne le connaissez pas. D'accord. Voilà, vous avez les dossiers en tant que joueur, mais vous ne savez pas du tout qui c'est. Du coup, il vous regarde et il dit... Vous savez, en tant qu'aventurier des mers, je ne peux pas me permettre de laisser des gens voler des bateaux comme ça sous mes yeux. Et pourtant, vous avez laissé quelqu'un kidnapper des enfants et les enfermer pas loin d'ici. Et je montre les enfants qui sont sur le truc, en fait. Nous voulions juste les ramener chez eux et ramener les criminels à la justice. Et en tant que marin, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire tenir tout le monde dans une chaloupe. Et puis... Et puis ce n'est pas un vol, c'est un emprunt. Vous voyez le criminel là-bas? Eh bien, c'est son bateau. Donc, le fait qu'on prenne son bateau pour le remettre à la justice. Je me demande si c'est vraiment son bateau, en fait. Écoutez... Karina n'en sait rien du tout, mais... peut-être que c'est juste vrai. Tu vois qu'il lève un sourcil et il dit... Il lève un sourcil. Bah écoutez, voilà ce que je peux vous proposer. Vous arrêtez d'essayer de voler ce bateau, je vous raccompagne sur l'autre berge et on n'en parle plus. Et pourquoi on vous ferait confiance? Allons, allons. Je n'ai jamais trahi personne.
Il a quand même un bordeaux, il a l'air d'un pirate. Est-ce que tu m'acceptes un jet de... pour voir si... de perception, pour voir s'il ment, si c'est un ami peut-être de... Je t'autorise. De Raffaello. Ok. Non, oui, cet homme a l'air... T'en sais trop rien. Cet homme a l'air pas... moi, j'ai pas d'objection. Il m'inspire pas confiance. Moi... Relativement aussi. Il t'a l'air, Karina. Bon, quand il dit qu'il a jamais trahi personne, clairement il ment. Par contre, il a l'air quand même de vraiment vouloir vous emmener de l'autre côté, quoi. Ok. Du coup, c'est un menteur, mais il a peur de nous voir du mal, je pense. D'accord. Bon bah. Oui, il veut probablement des informations. Ça se vend bien aussi, les informations. C'est possible. J'imagine. D'accord. Du coup, vous allez monter sur le bateau. Ouais. Vous allez voir que rapidement, il va faire rentrer les enfants à l'intérieur. Okay. Pour pas qu'ils soient dans le froid. Ouais. Attendez-moi. Il va regarder, du coup, les casques, il va vous dire... J'en fais quoi de vos prisonniers ? Oh bah... On les amène. Bon, on les amène à la garde, donc on va... Bon bah... Je vous laisse vous débrouiller avec. Très bien. Moi je ferai la garde alors. On va les mettre là, tu sais sur un coin du coup. Ah, donc, les enfants du coup ils sont à l'intérieur. Hein. Vous restez à l'extérieur si vous voulez. Ouais. Peut-être une personne avec les enfants quand même au cas où. Oui. Il va vite faire regarder les... Enfin, oui, vous pouvez rester une personne. Vous pouvez laisser une personne avec les enfants. Il va vite faire regarder. Il va vite faire regarder les quatre là. Il va regarder Raffaello. Et tu vas voir que quand il va regarder Raffaello, vous allez voir que quand il va regarder Raffaello, il va quand même esquisser un petit sourire, tu vois. D'accord. Ah, il le juge. Oui, il le juge. Il se dit, ce bâtard, je suis content qu'il soit fait choper quand même. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu dans ce mode-là. Ok. Il va faire un petit sourire appréciateur et puis vous allez... Alors, il va revenir vers nous, il va dire « Bon, d'ici une demi-heure, nous serons de l'autre côté. Une fois de l'autre côté, je vous conseille une chose. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'agitation en ville, là. Courez rapidement chez vous. » Il s'est passé quelque chose ? Pas que je sache, c'est ok. D'accord, ok. On a une demi-heure pour le cuisiner. Je regarde que ça. Ouais, non mais c'est ça. On a une heure pour poser les questions et ok. L'autre question, c'est est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Alors, vous pourrez discuter avec lui si vous voulez pendant la demi-heure, parce qu'il ne se passera rien d'autre qu'une avancée en bateau. D'accord. Ok. Il va simplement reprendre avant que vous puissiez reprendre, avant que vous puissiez le cuisiner et vous. Il va simplement reprendre. Si vous voulez un conseil, vous ferez mieux de dire que vous ne m'avez pas croisé ce soir. Très bien. De toute façon, on ne connaît pas votre nom. Donc... C'est une bonne chose, oui. Ah, j'allais vous le demander. Mais... Oui, je ne dirais pas que j'ai croisé... à aucun moment de ma vie, je n'aurais croisé quatre individus masqués et suspects. Suspect, c'est vite dit. Vas-y. Vous êtes aussi suspect avec vos airs de pirate. Vous avez un demi-bandeau aussi. J'allais le dire, vous avez un demi-bandeau. Oui, mais moi, ce n'est pas un choix. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène par ici, vous ? La justice. Les enfants kidnappés. Et des criminels à ramener à la justice. Enfin, disons des criminels... qui ont dépassé certaines limites de bienséance, dirons-nous. Je vois. Oh, j'avais une affaire à régler en ville, mais je suis arrivé un petit peu trop tard. Ah. De quel genre ? Du genre que vous ne préférez pas être mêlé, je pense. J'imagine que c'est le genre d'affaire qui fait que dans une demi-heure, la ville pourrait être un endroit très peu sécurisé. Eh bien, de toute façon, j'imagine que dans les prochains jours, vous saurez ce qui s'est passé. Mais vous voulez pas nous dire ?
Ali, s'il vous plaît. Entre inconnus. Oh non. Oh non, non, je préfère vous garder la surprise. Ah, dites-nous votre prix. Ah non, non, je suis désolé. L'offre est tentante, mais je n'aime pas parler de mes échecs. Ah, c'est un échec donc. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé trop tard. Et peut-être que nous, vous pensez qu'on pourrait peut-être vous aider à réparer les choses. Après tout, on vous en doit bien une. Vous avez été, il faudrait qu'on vous aide en retour. Non, l'irréparable a déjà été franchi, malheureusement. Quelqu'un est mort ? Il va pas répondre. Ok, le d'accord. Le roi est mort ? Okay. Ouais, c'était mon chemin de pensée. Oui. Il va pas répondre. Il va juste continuer d'avancer silencieusement sous la nuit. T'as été un petit peu en robot, tu disais qu'il continue à avoir cette tête. Ah ouais, non, il continue à avoir cet air un peu grave, il va pas répondre et continuer à avancer, tu vois. D'accord. Oh là 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 là, OPS il s'est redéconnecté. Mais t'as un problème de connexion ce soir ? Ouais, j'ai l'impression là. Oh, c'est le cancer. T'as un orage ? T'es en fibre ? Je suis en fibre. Y'a pas de raison. Est-ce que t'as beaucoup de fenêtres ouvertes ? Tu peux peut-être fermer tout ça. Non, mais tout est fermé là. Bon. Après, la partie est pas perdue, elle est encore sur ma chaîne. Attention. T'enregistres en même temps ? Ouais, j'enregistre en même temps. Ceux qui suivent en live, je vous conseillerais d'aller sur la chaîne de Cécile pour avoir du coup une meilleure qualité. Ici, je pense que ça va pas mal couper du coup. Ah, c'est dommage. Est-ce que tu peux lui filer le lien voilà, de ta chaîne ? Oui. Comme ça, oui, voilà. Oui, si vous suivez chez moi, allez plutôt chez Cécile. Moi, je vais juste me contenter de la rediffusion, je pense, aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Et du coup, il va continuer avec cet air assez grave. Je vais essayer de fouiller pour avoir le maximum d'infos sur lui, tu vois. On sait pas qui c'est. Ouais. Je regarde comment il se tient, sa stature, tu vois, pour le décrire à... c'est qui vend les infos ? J'ai oublié son nom. Charlie. Charlie. Ouais, ouais, je veux savoir qui c'est. Du coup, je vais prendre tout des infos, tu vois. Ok, tu mémorises bien la personne. C'est ça, son style, un peu son bateau aussi, ça peut donner des idées. Est-ce qu'il est gaucher, ouais, droitier ? Il y a un nom sur le bateau, donc... Ah oui. On va perdre tout notre loot, en fait, direct, quoi. Pourquoi ? Bah, si vous allez aller voir Charlie pour les infos. Ça... Mais après, c'est pas dit que ça va coûter 400 balles pour avoir une info sur le nom du mec. Hein. Ça peut être un peu moins. Ça peut être une statuette de poupée avec des suites. Et voilà, le truc, c'est que si tu veux qu'on fasse du loot, on a que refaire comme dans la maison où on était allé là. Un cambriolage. Voilà. Je ne le dis pas devant un inconnu, mais tu vois très bien de quoi je parle. Tu vois. Oui, alors, des réquisitions... Disons que c'est des dons à la charité. Voilà. On a pris à des personnes qui n'en avaient pas besoin des choses dont elles n'avaient pas besoin. Ah, c'est... Ça. C'est qui est avec les enfants ? On a tourné, non ? Je pense que j'ai parlé un petit peu à l'homme, je pense qu'on s'est relayé. Ouais. Tu veux lancer un D4 pour voir qui c'est à ce moment-là ? Je vais vous laisser tout sur un jet de perception. Ok. Ah, moi je l'ai raté. Bon, je l'ai raté, moi. 24. 19. 19 pour Minerva et 16 pour Karina. Ok. Le cheval. Le cheval. Non, le cheval, il va pas pouvoir descendre en bas, en fait. Le cheval, il est sur la proue en mode je suis le roi du monde, tu vois. Cosimo, à un moment, baladant, tu vas voir que dans une des salles, en fait, un moment, en fait, t'as un gars qui va rentrer dans une des salles du bateau. Bon, il vous laisse pas voyager où vous voulez dans le bateau. Il vous fait une salle pour les gosses, et puis voilà. À un moment, il va passer dans la salle. Tu vas brièvement voir, dans la porte. Enfin, tu vas brièvement voir, en fait, qu'il y a un autre enfant qui est dans le bateau. Ok. Alors. La question, c'est est-ce que il a l'air emprisonné ou est-ce que c'est un enfant qui se balade dans le bateau, tu vois ?
Est-ce qu'il est nu-pied, tu vois? L'enfant, il a pas l'air. T'as l'impression qu'ils sont en train de s'occuper de lui, en fait. D'accord. Est-ce qu'il a des cheveux blancs? Non, il a des cheveux roux. J'ai envie de deviner sa classe. Peut-être. Voilà. Là, tu vois qu'il a des cheveux roux. D'ailleurs, vous aurez pu remarquer un truc. Du coup, Catalina, Minerva et Cosimo. Vous aurez pu remarquer un truc. Toi aussi, Karina, d'ailleurs, avec ton 16. La plupart des membres de l'équipage, ainsi que le capitaine, ils ont tous des marques et des marques de combat ainsi que des blessures. C'est resté. C'est récent. C'est récent, ça. C'est récent, c'est genre t'as l'impression qu'ils se sont battus peut-être 1 heure ou 2 avant, quoi. D'accord, ok. Donc Ok. le mec arrivait probablement au moment. On n'a pas entendu la fin. On Le a pas mec entendu la arrivait. fin, c'est vrai. Seth, tu peux nous redire, ça a coupé. Le mec arrivait probablement. Je crois qu'on a perdu Ced. Ouais. Je vais tenter une fin de phrase. Probablement au moment où nous, on arrivait pour voler le bateau. Je fais une tentative. Je pense que c'est C'est ça, pour oui. pas On ça. verra quand Ced revient. Ok. Là, Bah c'est. écoute, si nous on a vu l'enfant, est-ce qu'on peut tenter de l'interroger Bah, il vous laisse pas. Enfin, tu peux Ah oui. l'interroger lui, mais il vous laisse pas passer. Il vous laisse pas aller voir l'enfant, en fait. Hein. D'accord, bah je veux pas le mettre à dos. Tant que Ced revienne éventuellement. C'est la soirée, les PC n'ont pas envie d'être Ah avec oui, nous ce soir. la collection n'est pas là ce soir. Je sais pas si c'est la co ou ça peut être le PC. Ouais, c'est la connexion. Je sais pas, j'ai pas. Allô? Oui, je suis revenu. On Ah. n'a jamais eu la fin de ta phrase, cette. Je disais probablement que les pirates arrivaient en bateau quand nous on essayait de piquer l'autre bateau en fait. C'est un sans faute de la part de l'équipe. On avait réussi à deviner. Je suis pas un type compliqué, hein. Mais tu vois. Mais bah voilà pour ce que vous avez en fait. Enfin. Donc ok, donc ce sont des roues et Enfin. ce sont. Ah non! Non, pas encore! Ce sont des pirates, ils ont un enfant qui est roux, qui est à bord, Ouais. et ils se sont apparemment, ils ont tous des marques de combat sur eux, donc ils se sont tous battus récemment. D'accord. Et Il okay. Dans les y a deux Où qui sont sont les gens? plus. De quoi, Rislo? Allez. Pardon, désolé, ça a coupé, je pense qu'il avait arrêté de parler. Ok, vas-y, Ced, du coup. Mais je disais, dans les personnes qu'on connaît, il y a qui est roux en fait? C'est pas le roi qui est roux? Le roi? On a un roi roux, non? Il me Je sais semble. plus. J'ai en tête qu'il est roux avec une calvitie, Ou le roi. avec des Non, ça c'est le reflets frère du roi, peut-être. ça. Ah, c'est le frère du Ah. roi. Ok. Ok, un enfant roux. Ok. C'est dans quel article? C'est laquelle de famille, celle où il y a le roi? On n'a pas de dessin avec le roi. Attendez, bah, Je je peux vous comprends. montrer le roi si vous voulez. Ah oui, je veux bien, oui. Oui, si tu peux. Ah Ouais, oui, non, rien à d'accord. voir. Ah oui, il était pas roux. Il est Je pas suis roux du blanc. tout, il Il est pas est. roux du tout. C'était sa couronne. Non, mais après, il était. Après, dans sa jeunesse, il était peut-être roux. Là, c'est parce qu'il est devenu vieux, tu vois. C'est vrai. Le frère du roi. Ah Ah, oui, voilà. Mais il est Voilà. roux, Oui, lui, non, mais lui, il est anti-paladin à coup sûr, par oui. contre. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Je. Il a Est-ce que l'air en. prisonnier, l'enfant? Non, 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 non. non, il a pas l'air roux. Ok. Est-ce que en passant, j'entends peut-être des bruits de conversation ou des trucs. Voilà, pour écouter un peu, pour voir s'il parle de cet enfant, si ça fait Bah, pas déjà. longtemps qu'ils se sont battus, peut-être donner des infos, tu vois. Ils se parlent pas trop entre eux de l'enfant, Ouais. juste t'entends. En fait, tu t'entends un petit peu pleurer. T'entends l'enfant peut pleurer en fait, et t'entends quelqu'un qui lui dit ça va aller, petit, ça va aller. Ok, d'accord. Ok, si j'ai une occasion à un moment, j'essaierai de faire passer l'information à tout le monde qu'il y a un enfant à bord et que bah, il n'a pas l'air prisonnier en fait. Voilà, je dirais il est roux si ça fait penser à quelque chose, à quelqu'un. Et je vois qu'il y a un garde qui est en indemne là. Tu Ah vois? non mais ouais lui vous l'avez Ah oui, c'est vrai! C'est vrai, on l'avait pas buté lui, on l'avait. ou Si, on l'avait après tu peux l'avoir assommé buté. hein, t'as une matraque de garde. Petit coup à l'arrière de la tête, bravo pour l'assommer.
Je peux pas passer pour le mettre, mais bon, il est inconscient. À la Tintin, tu vois. Enfin, j'ai pas le inconscient. Bon, ça c'est mourant, masqué, maladroit, malade, invisible, inconscient. Voilà, je fais ça. C'est ça, inconscient. Juste, il a des c'est flèches très sur la droite. Sur l'icône, par contre. Non, parce qu'il est prône en fait. Ouais, non, mais c'est l'icône quand d'inconscient. Ça, c'est l'icône de prône, ça. Non, il s'appelle inconscient chez moi, c'est chelou. D'accord. Bon, c'est pas grave. Hein. En tout cas, il est. Ouais, non, c'est ça, prône. Il est ligoté. Hein, mais... ça, c'est prône chez moi. Ça, c'est inconscient. Ok. Ok. Voilà. Et donc, bah, voilà, c'est à peu près tout ce que vous aurez sur ce bateau. Le gars, du coup. Oui. Tu peux essayer de négocier avec lui sur si. Dis que s'il nous donne quelques infos, je peux accepter de soigner son équipage que je connais en médecine. Je veux bien que vous soigniez mon équipage, mais j'ai pas d'infos à vous donner. Si vous voulez, je peux vous payer. Ça marche aussi. Ça me va aussi. Je sais pas, mais... Écoute, on me donne. Ok, bah du coup, il va te filer... Ça me va aussi, j'ai appris. Et bah, il va te filer, tu vois qu'il va juste sortir 3 pièces de platine. Ah, sérieux? Ah oui! Désolé, j'ai que ça. Attends, c'est des plus. Bah, du coup, laisse-moi vérifier que ça soit. Est-ce que tu mords dessus comme un vieux pirate? Tu peux faire un jet d'artisanat pour vérifier. Ah ouais, non, mais là, j'y crois pas une seconde. Avec mon 0 en artisanat, je suis 13. C'est clair. Parce que là, le mec il te sort le billet de 500 du coup. Non, mais toi, c'est, voilà, c'est des pièces. Hein. Bon, ça a l'air vrai. Hein. Mais, ouais, mais j'ai une question. Est-ce que ce sont des pièces de notre royaume avec notre roi ou est-ce que ce sont des pièces étrangères? Alors, c'est. Tu vois qu'il y a 3 pièces étrangères. Enfin, les 3 sont étrangères. Et sur les 3, il y en a que 2 qui viennent du même pays. D'accord. Ok. Le mec a bourlingué quoi. Mmh. Ok. Et c'est de la volé, quoi, c'est... Bah écoute, on s'en fout parce que voilà. Non, mais c'est du vrai platine. C'est... Ouais, ouais. Ok. Et voilà. Ok, donc le mec voyage beaucoup. Quoi. Moi, je proposerais qu'on garde les pièces pour essayer de voir d'où elles viennent pour savoir d'où ouais, où le mec aurait pu aller en fait. Bah, on peut utiliser le bâton après en fait. C'est vrai, sur les pièces, ouais. Bah, vous pouvez faire un jet de société déjà, simplement pour savoir si c'est une pièce de quel pays. Oh, critique. Critique, ok. Alors, très bien. Et toi aussi, du coup, t'as l'info. Bon, alors, Cosimo, aucune idée, hein. T'as jamais vu des pièces comme ça. Catalina, alors tu sais que, du coup, il a une pièce du luire. Déjà. Du luire, ok. Voilà, il a une pièce du luire et il a 2 pièces d'un autre pays qui s'appelle le Nata, qui est bah, de l'autre côté de l'océan. Ah oui, d'accord, il voyage vraiment loin. Okay. Ah oui, il a voyagé lui. Et le harlequin nudiste. C'est au luire. Au luire. C'est au luire. C'est au luire. Ouais. Donc apparemment, il se peut qu'il ait déjà été. Au harlequin. Est-ce qu'il a une tête de nudiste? Je te laisse en juger, hein. Je l'imagine, tu sais, nu, mais juste avec son bandeau sur l'œil qu'il enlève jamais, tu vois, et des bottes. Et, bah, du coup, je pense que vous ferez rien de plus, hein. Ouais, non, je pense que c'est bon. Oui, ouais, on va pas voler. Oui, bah, surtout quand on est sur son bateau en pleine mer, quoi. Oui, voilà. Le gars n'est pas à 3 pièces de platine, ouais. Ouais, donc, voilà. Puis bon, vous avez un sac... Ah oui, c'est ça. Vous avez un c'est sac. C'est vrai. Tac. Attends, je vais juste aller vite fait sur la prochaine scène. Ça marche. Tac. Attends, je vais. Oh, quoi, qu'on s'en fiche. Vous allez. Il va du coup vous déposer. Ah bah non, la prochaine scène, c'est celle-là. Oh là là. Bien toc, sûr. Toc. Le doc. Oh. T'as copié et le bateau et nous? J'avais déjà préparé le bateau avec vous dessus, mais pas les 3 avec. Je le savais. Mais je savais que vous allez prendre son bateau, j'avais prévu. Il savait que j'allais rater mon jet de distraction.
Voilà, le gars, du coup, il va arrêter son bateau là. Il va vous dire, bien, descendez, ça a l'air un peu calme pour l'instant. Merci beaucoup. Et personne ne s'est vu ce soir. Personne ne s'est vu, personne n'a vu personne. Et aussi, toi qui. Il va faire un signe de coup de poing, hein. Vous la mettra pour moi. Ah lui, et en passant, je lui mets un coup de pied, tu vois, Raphaël. Bon, je préfère quand il est conscient, tu vois. Ah, ouais. Ça n'empêche pas l'autre. Je peux vous le réveiller si vous voulez. Non, non, parce que si on voit le. Ouais, non, si je... on doit le transporter, qu'il est conscient, ça va être. Bah. Je vous le réveille, vous le tabassez, vous le remettez inconscient et. J'ai pas trop le temps là. Allez, on vous laisse. Encore merci à vous et à votre équipage. Ouais. Et, Je mets les 3 pièces de platine dans ma poche. Ouais. C'est plus que t'as jamais gagné en une seule consultation. T'es fou, c'est... Alors je suis trop content. Vas-y, il a me donné quelques pièces d'or et que je vais faire. J'allais refaire manger, bouffer pour la semaine là. Enfin, pour le mois là. Moi je m'attendais à ce qu'il nous donne du fromage, donc tu vois. Ouais. Donc il va vous faire descendre en fait. Et vous allez juste un petit peu marcher sur le port et vous allez entendre au loin qu'il y a un petit peu d'agitation quand même. Ok. On se dépêche de vite aller à la base. Ouais, on rentre. Ouais. Attends, je vais juste vous copier-coller avec les enfants. Ok. Parce bah, que attends, là... je me remonte alors. Est-ce que, comme on est beaucoup, on a beaucoup de monde, peut-être que je peux aller en éclaireur devant, peut-être à une ou deux rues pour. En formation triangle, tu te mets devant. Voilà, c'est ça. Pour aller scout, comme on dit dans le milieu. Bah. Tu peux faire ça, oui, effectivement. Ok. De toute façon, avec le cheval et toute la semaine-là, ça va être dur d'être discret, donc... Oui, mais peut-être pas discret, mais peut-être pas tomber sur une patrouille ou sur des problèmes. En oui. Fait, oh, j'ai une idée. Albatar. Non, pas Albatar. Comment il s'appelle monsieur Pirate. Oui. Monsieur Pirate, vous avez une longue vue. Oui. Je vous l'achète contre une pièce de platine. Je sais pas. Qui te regarde et dit j'en ai qu'une seule et j'en ai besoin. Ah, ouais. Nous aussi on aurait besoin. Bon, en plus, c'est pas grave. Ouais. Ok. Il va te regarder, il va dire dommage. Bon, bah. Ah. Allez, on va y aller, ça fait tard. On va pas vous retenir plus longtemps. Et voilà. Et je vais commencer par monter sur un toit, comme ça j'aurai peut-être une meilleure vue. Ok, bah tu vas monter sur un toit, tu vas avancer un petit peu plus loin. Et ce que tu vas voir en fait, c'est qu'il y a des gens dans la rue qui sont en train de brûler des charrettes, de casser des maisons, de se taper entre eux. Au loin, tu vois des gardes arriver. D'accord. Content. Ouais, c'est ça. C'est. Viva la révolution! Et tu vas entendre du coup, tu vas entendre un gars qui va crier le roi il est mort! Non! Catalina avait donc raison. Alors que le bateau d'Albatar s'en va gentiment. D'accord. Ok, bon ben on va pas traîner. J'imagine qu'ils l'ont entendu hein, donc. J'essaie de trouver un chemin assez sûr, voilà, sachant que des gens énervés qui ont envie de brûler des trucs, ils cherchent un peu juste une excuse probablement, donc on va pas traîner quoi. Ah, ça, bah, le truc c'est que là c'est un petit peu le bordel dans les rues, donc ce que je vous propose c'est de vous mettre directement dans la rue. Oh, ouais. Oh. Mais comment traballe nos gugus là? Ah bah là, vous avez, je vous ai mis les 4 sur le cheval, vous avez les 3 enfants avec vous. Et voilà. Okay. Là, basiquement, vous arrivez, vous commencez à essayer de vous balader dans les rues, vous voyez un mec là-bas, enfin, vous voyez un mec au loin qui est complètement bourré, qui est là, il a sa bouteille dans la main, et il crie « Le roi, il est mort !» Et il va jeter sa bouteille sur le mur à côté. Ah, le roi, il est mort! Gros tu vois qu'il jette sa bouteille sur le truc à côté d'un autre gars qui vient pour le taper. Ok, c'est
C'est bon. Voilà, vous commencez. Il faut jeter les trucs entre eux. C'est bon. On prend chacun un caillou. Oh. D'accord. J'ai une idée. Je vais prendre. Bon, ça va me faire mal de faire ça. Je vais prendre une pièce d'or et je vais la jeter au loin là-bas là. Pour créer une diversion. Non mais si tu veux faire du bruit, prends une pièce de cuir, hein, ça fait autant de bruit. Déjà, est-ce que vous voyez déjà juste ici là, vous voyez dans la rue là, tu vois 4 mecs qui sont en train de se battre. Genre ils se foutent des grosses mandales. Va prendre à gauche. C'est trop bâtard, je suis tant que tu es le roi. D'accord, ok. Et tu vois, okay, tu vois un autre gars derrière qui lui saute dessus, tu vois. Bon, les enfants, vous mettez vos mains devant vos yeux et on tourne à gauche. Okay. Voilà, je vous laisse avancer du coup sur cette carte. Bon, le cheval actuellement, il a les 4 gars sur lui. Hein. Oui, tu fais la mule. Je me décale. D'accord. Là, de l'autre côté, vous voyez un mec qui avance. Il vient vers vous. Et il tombe au sol. Le roi est mort. Non, mais il tombe au sol. D'accord. C'est genre. Okay. Je le mets sur le côté. Je le mets sur le côté de la route. Je suis en train de sortir de la route. Je vais voir qu'il est mort quand même. Un petit jet médecine. Ouais. Après, je pense que tu vois qu'il est bourré, que c'est un mec bourré, quoi. Comme ouais, utilité, ouais, hein, mais qui s'est pas fendu le crâne en tombant, quoi. Non, il va à peu près bien. En fait, avec ton jet de médecine, tu vas te rendre compte que sa dent, elle est restée par terre. Et honnêtement, ouais. C'est un pauvre, il a des dents, ça va, tu vois, déjà. À 35 ans, il en aura plus, donc. Tu vois, okay. C'est de quel côté pour aller à la Batcave? C'est vers le sud. Ok. Ok, d'accord. Hop. Voilà, moi je m'approche. Les enfants, c'est bon. Les enfants sont là. Là, vous voyez du coup, un mec qui est là. Il vient de voir, du coup, quand il voit Cosimo, il avance vers toi. Il fait quoi? Tu veux te battre, c'est ça? Le roi est mort! Il a tué le roi! Et je pointe le mec le mec ici, en fait, tu vois. Pointe le mec ici, du coup le gars il avance, fait ouais, comment ça tu dis j'ai tué le roi, ouais j'ai pas tué le roi, c'est pas moi qui l'ai tué, je suis innocent. C'est lui qui l'a tué. Pointe le mec à côté. Espèce de bâtard. Il lui met une grosse patate, tu vois. Allez. Il y a un petit peu qui s'assomme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non mais tu vois qu'il commence à battre lui, il a commencé à le pousser en fait, il ramène par là-bas quoi. Il se fout des grosses mandales. C'est bon, on progresse les enfants. Bon, on avance. Allez, précipitez, vite. On a que le... C'est ça. La voie est libre. Voilà. Tac, t'as les gars du coup qui sont là, sont en train de se battre. Oula, ouais, ça. Peut-être un petit peu trop de tokens dans cette map, mais bon, c'est pas grave. C'est une émeute. Voilà, c'est une émeute. Et en fait, ce qui va se passer, c'est là, vous commencez à entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et vous vous rendez compte d'un truc. Ok. Ouais. Attends, voilà, dès qu'ils apparaissent là, vous avez un groupe de gardes qui arrivent. Ils ont les boucliers levés, ils ont les matraques levées aussi. Et ils commencent à se jeter sur la foule tous ensemble. Ok. De mettre les enfants peut-être dans une ruelle ou un truc comme ça, vite, tu vois. Ça charge tout droit. Ok, tu vois, genre là, est-ce qu'il y a une ruelle ou un truc comme ça? Bah, vous avez la ruelle à gauche, vous avez la ruelle à droite. Ok, bah. Gauche. Faites-les passer à gauche ici. Et voilà, moi je vais rester le plus longtemps possible. Si je prends un coup, mais voilà, qu'ils doivent me passer dessus avant de passer sur les enfants. Oh non, mais du coup, t'as les gardes, ils vont se jeter. Les gardes, ils vont se jeter là, vous allez. Bah, tous ceux qui restent pour tanker, vous allez vous prendre des coups. Hein. Ouais, mais non, voilà. Ouais, c'est juste deux gifles le temps que les enfants se barrent. Hein. C'est vraiment. C'est ça, on prend des coups et après on fait genre qu'on se décale sur le côté. Roule. Je remets les dégâts directement vu le nombre de gardes que vous avez. Ouais. Cosimo, tu vas te prendre 7 points de dégâts. Catalina, tu vas t'en prendre 8. Okay. Voilà, ensuite vous allez dégager sur le côté en fait et les gardes ils vont continuer. Genre ils vont encercler le mec qui est là pour le tabasser. Tu vois qu'il y en a qui vont se jeter sur les deux gars qui se battent en haut, tu vois. Ouais. Ouf. C'est vraiment, voilà, il y a les meutes, t'as les gardes qui sont arrivés pour tout calmer, quoi.
Vous continuez du coup, vous continuez votre route sur le côté, quoi. Ouais. Ouais. Je repasse devant. Je repasse devant aussi avec toi. Ah, y a l'air que... la gauche. Vers le bas, il y a quoi? Il y a juste un arbre et. Tac. Alors attends, juste là où t'es, Catalina. Ah pardon, je me remets. Là où t'es, Catalina, tu vas voir un truc. Tu vois un magasin qui est ici là? Alors oui. Voilà, c'est un magasin de, c'est un fleuriste. Ah, est-ce qu'on, c'est pas l'entrée? Non, ça, c'est un fleuriste. Et tu entends une voix familière crier « Le roi, il est mort !» Et tu vois un truc qui est jeté, et d'un seul coup, la maison, elle prend feu. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est Knives. Parce que c'est ouais. Knives qui est en train de lancer des cocktails Molotov. Non, tu vas voir, attends, je vais te montrer. Ok, tu me dis quand on peut bouger. Voilà, je vais vous montrer qui c'est. Hein. Vous allez voir du coup quelqu'un qui commence à se mettre à courir. Vous allez voir quelqu'un ouais, qui fout le feu, elle fout le feu à un autre fleuriste, et ensuite elle détale. Wow. D'accord, je veux dire qu'elle joue à Zibild en fait, tu vois. Mais heureusement que son nom il est pas là, parce que le nom est mort ce soir aussi. Ah mais c'est le roi qui est mort. Tu sais, je vois ça dans ma tête, je me dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas d'autres médecins dans la ville, là? Non, mais... elle a gagné 3 médecins. Elle a changé. Non, c'est pas pour ça, je me dis, est-ce que je ne risquerais pas de me faire brûler ma maison, moi aussi? Ah oui, d'accord. Non, ils mettent des immondices sur ta maison, toi. Tac, au moment où vous arrivez ici, juste faites un jet de perception. Oui. Ah non, c'est parce que j'ai lancé l'initiative. Non mais c'est voilà 24. Ok. Alors au moment où t'arrives ici, Catalina, tu mets tes deux mains devant pour empêcher les gens de te continuer la route en fait. Non mais stop. Voilà, tu mets tes mains devant. Est-ce que tu vas, parce que ce que t'as vu c'est une deuxième charge de CRS. Écoute, ouais, t'as les gardes qui arrivent. Lui il voit les gardes, il fait ah, il se met à courir les bras en l'air, tu vois. C'est bien, il les attire. Ouais, les gardes ils voient. Du coup les gardes ils ont vu un mec à côté d'une maison en train de cramer. Ils vont tous se jeter sur lui. Et ils vont commencer à les tabasser, les autres gars qui se battent plus loin là. Une mêlée comme dans les Sims où t'as juste un nuage de poussière avec des bras et des jambes qui sortent. T'as juste un nuage de poussière avec des bras et des jambes qui sortent, des matraques maintenant. Et bah maintenant, en plus de ça, t'as les gardes qui se jettent dedans, donc le nuage et la taille qui augmente. Alors qu'à côté, la maison du fleuriste est en train de brûler. Moi je me mets dans la rue pour pouvoir faire passer les enfants. Pareil, je vais bloquer l'autre accès. Tac, bah les enfants ils vont passer. Là, c'était juste pour la petite scène. Voilà, oui, vous voyez, vous allez voir en fait que partout dans les autres rues c'est pareil. Il y a des gens qui commencent à crier, à hurler, des charrettes qui se font cramer. C'est plus le roi, c'est le bordel. Hein. Et voilà, c'est n'importe quoi, c'est vraiment. C'est l'anarchie totale en ville. Vous allez continuer du coup. De quoi ? Voilà. C'était un 19 octobre. Il y a la date. Un 19 octobre. C'était un 19 octobre. C'était un mardi. Et du coup, vous allez rentrer. Vous allez rentrer vous jusqu'à jusqu'au quartier commerçant. Et vous allez vous rendre compte d'un truc en fait, c'est que quand vous allez passer en fait, quand vous allez monter les escaliers et bah, sortir de la fosse en fait. Ouais. Sortie de la fosse, il y a un petit peu d'agitation, mais c'est tout de suite beaucoup moins hardcore, quoi. Ok. C'est beaucoup moins alcoolisé. Voilà, c'est vraiment dans la fosse, c'est vraiment dans la fosse en fait, où là c'est le gros bordel, quoi. Dès que vous sortez de la fosse, voilà, c'est les pauvres. Dès que vous sortez de la fosse, tout de suite tout va mieux, et vous allez du coup arriver ici. Dans une map qui va beaucoup moins me faire bugger. Oh. Ok. On la connaît celle-là. Vite. Ouais. Vite, entrons. Ils sont bien tous assommés, hein, qu'ils ne voient pas le chemin, au pire on leur a bandé. Non, ils sont bien tous assommés, vous pouvez bander les yeux des enfants à la limite. Okay. Ouais, voilà. Mmh. Hop. Mmh. Tac.
Bah, du coup, vous allez entrer avec. Je vais vous déplacer en fait à l'intérieur. Ah, merci. Donc, vous allez entrer. Bah, déjà, vous allez toquer directement, directement après avoir toqué à la cachette. Enfin, quelques secondes plus tard, vous verrez la porte s'ouvrir. Ah, vous êtes là. Tu te sens brûlé, peut-être. Ça va? Hein? Tu vois qu'elle va sentir un petit peu. J'ai essayé de faire cuire quelque chose. Bon, je me suis un petit peu cramé les cheveux. Ah ouais. Mais rien de grave. Ah ouais, c'est. Ah non, non, tout va bien, tout va bien. Non, je vais faire son jet de bluff. T'as un peu d'huile sur les bras, tu sais, la suite de la friture, c'est ça? C'est ça. Voilà, t'as un peu d'huile sur les doigts, ouais. Moi, c'est plus pour la troller que vraiment la mettre dans le truc. Voilà. Oh, lance des molotovs. Moi, je veux juste savoir où est-ce que va aller pour son mensonge. Ah, ça veut dire que t'as préparé un petit quelque chose pour nous? Ah non, mais j'ai raté mon plat. Oui. Il faut que je le refasse. Ah. Allez, venez, venez, ouais. Restez sous la pluie. Allez, merci. Allez. Elle est forte, hein. Elle est forte, cette petite, elle est forte. Tac, du coup, je vais vous mettre directement dans la batcave. Le cheval va rentrer dans la batcave. Wow. Est-ce qu'il y a une porte pour cheval dans la batcave? Attends, est-ce qu'il y a une porte pour cheval? Ah, vous allez voir, en fait, peut-être elle va amener le cheval dans la batcave, en fait, elle va faire passer de l'autre côté. Elle va ouvrir la porte qui est là-bas. Attends, on n'est pas avec... Oui, toi, t'es pas dedans. Toi, t'es pas dedans, ouais, voilà. Attends, je vais déplacer tout le reste. Elle va ouvrir la porte qui est du coup là-bas. Comme ça, j'ai tout le monde déplacé. La porte qui est de l'autre côté, je sais pas si vous l'avez déjà ouvert. Vous. Non. Et en fait, de l'autre côté, il y a une écurie. Oh, je peux me déplacer pour aller voir? Vous pouvez aller voir, ouais. Waouh. C'est bien. Alors, est-ce qu'elle est aux normes sanitaires de chez nous, les nobles? Non, c'est... Comment dire, c'est ok, tu vois, c'est ok tiers, tu peux traiter ton cheval bien, mais par rapport aux nobles... pas de jacuzzi, quoi. C'est, voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de jacuzzi, mais c'est clairement, tu vois, que ça manque quand même de moyens, il y a beaucoup de trucs qui sont faits à l'arrache, en fait. Et puis bon, le ponton pour aller dans les égouts, pour les nobles, c'est moyen, quoi. Ouais. Ah, c'était ça l'odeur. Je croyais que c'était l'écurie. Un peu des deux. Alors, j'ai vu que vous avez chopé Raffaello. Ça a été? On va l'interroger. Oui, ça a été. Une statuette de lui-même, on a trouvé ça chez lui. Ouais. On s'est dit qu'on pourrait la garder. Une statue de. Taille 1. Taille réelle. Ah, c'est une taille 1, mince, on l'a pas pu l'amener alors. Si, dans le. Si, dans le sac. Dans le sac, ça rentre. Dans le sac magique, ça rentre. Ouais. Si. Du coup, il y a le moment où tu sens la statue de Jack. Tu vois que c'est lui dans une pose où il évoque la grandeur, tu vois. Qu'est-ce qu'il flex, tu vois. Mais du coup, elle regarde la statue. Elle regarde la statue en mode. Qu'est-ce que c'est que cette perle? Mais bon, ouais, si vous voulez, bah, posez-la là. Je verrai avec mon oncle quand il reviendra si on la garde. Voilà, moi je pense que tu vois, c'est le genre d'œuvre d'art que t'as quand t'as des gens qui viennent, c'est un sujet de conversation, tu vois. Effectivement. Genre, pourquoi vous avez une statue d'un baron du crime? Bah écoute, on l'a kidnappé pour le livrer à la justice et de fil en aiguille. Là, ça fait un beau trophée de chasse, tu vois. Genre, on l'a arrêté, on a une statue de lui. Ouais, c'est vrai, oui. Parce que bon, j'imagine que sa tête au mur, c'est un peu moins. Bah, c'est un peu glauque de l'empailler, quoi. Mais t'as des compétences en taxidermie, toi, Karina. Ouais, mais je vais éviter. Je propose. Mon père m'avait appris un peu la chasse à l'époque. Ouais, j'imagine, avec l'arbalète. Ouais. On va t'aider à mettre les sbires dans la prison et. Venez avec moi, on va les attacher là-bas. Donc, bon, du coup, elle va vous emmener de l'autre côté de là. Oui. Excuse-moi de te poser ces questions, mais qu'est-ce qui se passe en ville? On a entendu le roi est mort et on a vu quelqu'un brûler des boutiques. Je sais même plus. Elle a la goutte de sueur qui coule, tu sais. On n'est pas,
voilà, on ne saurait probablement pas décrire cette personne hein, qui était masquée voilà. dans la nuit. Mais, ah oui, comme vous. Voilà. Voilà, bah oui. Ouais, ouais, mais bon, voilà, le pauvre fleuriste qui vient de perdre sa boutique, j'ai une attaque qui va faire demain. Ah, le fleuriste, notre boutique est en danger ? Non, non, non. Un concurrent. Ah. Par chance, c'était un concurrent. Ah, par chance. Par chance. Par chance. Par malchance, je voulais dire. Ah bah, enfin, c'est la tienne, quoi, voilà. C'est regrettable, quoi. C'est quand même regrettable. Si tu nous montrais ses prisons. Serait-ce le fleuriste, trois rues Alors, oui, c'est ça. Ah, tu connais bien le chemin, du coup. Oui, celui qui vendait ses jonquilles moitié prix, là. Oui, oui. Encore un escroc qui brade ses jonquilles. Le roi est mort, c'est-à-dire il est mort de maladie ou... Je sais pas, apparemment ça... ils ont commencé à crier que le roi était mort en ville. Et je n'ai aucune idée de... Je n'ai pas plus de détails pour l'instant. D'accord. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, malheureusement. Tu vois qu'il va attacher les trois mecs... va attacher les quatre mecs, là. On va les enchaîner au mur, en fait. Parfait. Très bien. C'est pas les cellules qui se retournent, là, tu vois ? Si, si, c'est celle-là. Oui. C'est là. Par contre, vous allez faire comment pour rentrer ? Enfin, quoi que... Vous trois, ça va aller. Moi, je... Les Minerva, ils ont bloqué l'accès au quartier des nobles, là. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont une maison. Ah, ouais. De toute façon, Minerva, tu n'avais pas dit que tu étais en train de... Tu n'avais pas dit à ton père que tu avais enquêté pour la maladie, là, que tu te faisais soigner. Tu peux dire très bien, tout simplement, que tu étais en chemin en temps pour te faire soigner et que, voilà, ça a dégénéré quand tu étais dans le quartier pauvre. Si les gardes me laissent passer... Après, t'as vu ton père au dîner le soir, quoi. Oui, donc honnêtement, voilà, il s'est dit aller dormir. Il n'y a pas de souci, on n'a qu'à rester toute la nuit ici et demain matin, voilà. Oui. Il y aura plus de problème. Ouais. Tu feras valoir ton statut, tu diras que tu t'es réfugié au temple et c'est bon. Au pire, on trouvera bien moyen de te faire passer... Après, le problème, c'est surtout... Après, le problème, ce serait surtout que bah, son père, il va savoir qu'elle est sortie si elle n'est pas là. Ah, effectivement. Non, il faut l'infiltrer. Hein. Vedette, tu es vraiment une stratège. Effectivement. oui. Heureusement que oui, toi, c'est... tu es des parents, tu sais ce que c'est, Vedette. Va baisser les yeux quand tu veux dire ça. Bah, écoute... De toute façon, tu vois ton père tous les matins, genre, tu voilà, il n'y a pas des fois où tu te lèves plus tard, où il est parti travailler avant que tu arrives. C'est la révolution, c'est la première chose qu'il va faire. Ah ouais, c'est vrai, j'oublie. Ouais, quand c'est vrai. C'est un père aimant, je ne sais pas. Non mais je sais pas, moi je ne connais pas les parents, donc... Au pire, on peut te faire. Il doit bien y avoir moyen. Tous les gardes sont occupés quelque part, en fait. On va y arriver. Si c'est le bordel, à mon avis, les gardes, tu arrives, tu dis que voilà, t'as été retenu, tu fais valoir ton statut, tu montres tes oreilles d'elfe, tu leur cries un coup dessus, ils prendront pas le risque, en fait, de pas te laisser rentrer parce que c'est leur tête, en fait. Elle a rentré une noble et qu'elle a eu des problèmes, elle s'est fait cramer. Ils se font cramer. On a des cartes d'identité ou comme ça Bah, t'as ta tête quoi, mais voilà, si tu te montres. Si tu te montres, ton père il saura que tu as été dehors. Ouais, c'est ouais. Ça. Okay. Et... Est-ce qu'on montre le bijou aux enfants c'était censé ouais. Nous faire retrouver la mémoire. Peut-être qu'on peut faire ça et après on te ramène. Ouais. Écoute, j'ai une idée. Est-ce qu'on peut pas trouver des uniformes de garde? On se fait passer pour des gardes et nous on te ramène. Comme bah, on avait fait pour aller. Il y en a plein d'or en train de combattre. Il suffit juste d'attendre qu'il y en ait qui se fassent assommer et on leur vole leur uniforme ou on en assomme un nous-mêmes. Sinon, je connais peut-être un chemin, mais. Par les égouts? Oui. Ah bah voilà. Voilà. Ouais, ouais. Par contre je suis pas sûr qu'ils mènent là-bas. Hein. Bon, au moins ça nous rapproche. Ah, écoute, je pense que les riches vont aux toilettes, n'est-ce pas, Minerva? Oui, bien sûr. Voilà.
pour avoir des toilettes en or et en émeraude. Ben, je vais sortir une carte des égouts, je vais vous montrer où c'est. Tu vois qu'elle elle va juste prendre les enfants. Elle va ouvrir la porte qui est là. Juste ici, là. On la suit, ok. Et c'est une chambre. Ah, super. Il y a plein de vies. Oh. Et quand je pense qu'on peut faire des auberges pourries alors qu'il y a une chambre là. Bah oui. Bon. Hey, j'ai passé plus de temps ici, moi. C'est clair, il y a de la boue. Moi, en passant, je prends à manger et je donne à manger aux enfants. Ouais, donc, on leur montrera le colis demain, alors. Je vais les border une fois qu'ils ont mangé. Voilà. Et foutez pas des miettes de pain dans le lit. On vous... C'est, ça. Bon, c'est un peu compliqué, mais demain, on vous ramènera chez vous, parce que là, c'est le bazar en ville. D'accord. Comme vous avez pu voir. Bon, tu vois qu'ils vont très vite dormir, hein, après tout le bordel qui s'est passé. Merci, Vedette, pour la chose. Voilà, merci, Vedette. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Oh, pas grand-chose, je pense. Voilà, je prends du pain et du fromage et j'ordonne à Catalina aussi. Ah, merci. Peut-être tu me donnes toujours le crouton. Ah, hey, t'as qu'à le poser toi-même. On y va. Les enfants sont partis dormir, alors. Oui. Ah. Bon. Ah oui, c'est alors le masque. C'est par en bas. C'est par en haut, les égouts, alors. Vous voulez... Et ça dérange. Dis, je pense à un truc maintenant qu'on a des enfants aux cheveux blancs. On les ferait pas tester le vase. Bon, on voulait faire le lendemain. Ah oui, c'était ça dont on parlait en fait. Oh, ouais, c'est ça, et on fera demain. Parce qu'en fait, il y a le collier qui fait que s'il le voit, il peut se rappeler des souvenirs. Et après, il y a le rituel où si l'enfant est présent avec le bout de bois et le rituel, il peut savoir ça, qui il est, c'est ça, hein, c'est la révélation de... Oui. Et le bout de bois, c'est... On l'a dans c'est le mec de la mafia qui... Ah non, on l'avait, le bout de bois. Oui, c'est on l'a donné dans le vase, ouais. Ah, vous avez tout, là. Oui. Que du coup, Vedette va dire, bien. Bon, par contre, ces égouts, je sais pas du tout, il y a peut-être des bandits dedans ou des choses comme ça, va falloir faire attention, quoi. Ok. Ok. On s'est réduit en plus. Le cheval, je pense pas qu'on ait besoin de le prendre. Non, mais le cheval viendrait le chercher quand ce sera calmé. Ce sera. Tu voyais que le cheval il s'était mis sur la plaque, il était prêt à descendre, tu vois, et puis du coup il baisse la tête et il repart, tu vois. Oui, non, mais il passera pas. Écoute, je pense que. Il sait, tu vois, il sait s'il passe et. Il est parti bouder, il est en train de. C'est pas une question de passer ou pas passer. Genre, si tu rentres avec un cheval, bah, il va savoir que t'étais dehors. Mais c'est ton père, tu peux lui dire ouais, je suis allé acheter un cheval, il était vraiment bien. Bah, eh bien, au pire, je peux le garder ici, le cheval. Tu pourras aller le chercher demain en disant que tu l'as acheté. Oui, c'est pas un problème pour ramener le cheval. Et d'ailleurs, s'il y en a un de vous qui a besoin de l'argent, c'est le moment, hein, parce que du coup, il y a une facture pour le cheval qui doit suivre. Et bah écoute, avec plaisir. Voilà. Bon. Je vais te le préparer, je vais lui faire un beau costume. Ah, oh, super. Ah, oh, super. Qu'est-ce qu'on ferait sans Vedette? Je pense que Vedette est... pas grand-chose. Il y aurait probablement plus de fleuristes en ville, mais nous, qu'est-ce qu'on ferait? J'ai pas rigolé quand tu dis ça. Bon. Du coup, il faudra faire une estimation du prix du cheval. Bon. Bon, ça, tu peux faire un jet de nature. Mais... Ouais, et puis tu en as déjà trois. En fait, dis-toi le prix d'un cheval très cher. Et voilà. Oui. D'accord. Il faut quand même que je justifie le prix à mon père, même si c'est un cheval que je ferai de la joute des tournois avec. Hein. C'est clair. Attends, je vais juste. S'il te plaît, il était trop beau. Bon, mais de toute façon, t'achètes un cheval, ton père, il sait que t'achètes un cheval, je vois. C'est... Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est surtout si eux, ils veulent une part. Moi, j'imagine surtout le père qui fait
T'en avais pas 4? T'en avais pas 3 des chevaux? Non, j'en avais 4. Ah bon? Et il part, tu vois. Ils s'en foutent, c'est incroyable. Mais c'est les gens qui ont de l'argent, ça. Mais il est quand même... Il fait attention au compte, hein. Il fait quand même attention si tu dépenses trop. Enfin, donc il contrôle, genre si t'achètes des trucs bizarres, il le saura quoi. Après un cheval, il sait que c'est ton, genre, il sait que ça va être ton quatrième cheval. Voilà quoi. D'accord. Ouais, j'imagine que t'achètes un cheval, ça ne fait pas. T'achètes une baliste, il va se poser des questions. Oui, puis il sait que c'est mon, truc. Ouais, voilà. C'est il sait que t'aimes les chevaux. Il a une écurie à cœur. Bah voilà. C'est ton petit caprice. Bah oui. C'est ton petit caprice, les chevaux. Ton petit caprice, j'adore. Sa petite faiblesse. Voilà. Il ira à rien. En tout cas. Oui. Je peux mettre la lumière, tu. Oui, vous pouvez vous allumer vos torches. Hein. Ah, ok. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous arrivez dans les égouts. Hein. C'est magnifique. J'avais une question dans le chat pour les maps. C'était lesquels Tu te souviens des noms que tu avais pris des auteurs sur Patreon? Celle du port, c'était Dr Mabzo. Les égouts, je crois que c'est marqué quelque part sur la map. Sinon, je retrouverai ça après. Sinon, on voit après. C'est un montage, j'ai l'impression que tu as pu constituer toi-même des tuiles. Non, je l'ai trouvé directement comme ça, celle-là. Mais je sais qu'il y a des maps comme ça que tu peux faire avec des tuiles. J'ai plus le nom de ceux qui les font. Bon, vous le mettrez en commentaire alors. Si tu l'avais de tête, mais sinon. Bon, vous êtes dans les égouts par contre, et un problème, hein. Ça pue. Je remonte ma chemise sur mon nez, tu vois. C'est ça. Je vais vous remettre quand même. Je vous remets masqué. Et vous êtes masqué. Vous êtes masqué. Vous avancez doucement dans les égouts. Je vais voir si j'ai pas un truc qui fait ambiance plouc plouc. Dès que j'arrive, je prends un bain, mais direct quoi. Mais c'est clair. Mais déjà, arrête de frimer parce que tu peux prendre des bains, tu vois. T'as le droit d'inviter des gens à dormir chez toi Juste à prendre des bains. Parce que nous, oui, mais des noms nobles. Écoute. Il suffit juste qu'on se fasse passer pour des nobles, c'est bon. J'ai plein de fausses moustaches. Regarde celle qui fait le plus noble, tu vois. Est-ce que vous avez les oreilles, hein? C'est surtout ça. Hein. Mais au pire, on peut essayer de sauver la personne que ton père connaît qui a été kidnappée, comme ça peut-être qu'il nous... Ouais, nous je peux faire, on peut vous faire passer pour les vendeurs du cheval, ça... Oui. Ok. Peut-être passer. Mais ça fait bizarre, je leur ai acheté un cheval, mais ils ont besoin de prendre un bain à la maison. Oui, c'est ça la partie un peu louche. Après une baignoire dans les écuries, voilà, on n'est pas... Si t'as pas peur des petits poissons qui sont dedans... Est-ce que vous pouvez me donner la liste des langues que vous parlez? Oui. Alors... Okay. Ouais, où est-ce que ça voit, ça, les langues? Ah, de toute façon, ça c'est... Ah oui, d'accord, t'as pas mis. Ah, de toute façon, toi, t'as que le commun et... Commun draconique, elfe, alflin, sylvain. Ok. J'ai jamais fait... Ouais, non, mais toi, tu dois voir le commun, et puis tu peux peut-être parler le lieu roi, tu vois. Le quoi? L'île du roi? Le lui roi. C'est quoi le lui roi? C'est les langues du pays. En tout cas, vous allez du coup entendre une espèce de voix dans les égouts, dans une langue que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que c'est? Ça fait une voix un petit peu étrange. Hein. Ah, j'ai entendu dire qu'on n'était pas garou. Fort! On va aller voir Cosimo. Ouais, je vais aller voir. Est-ce que je peux reconnaître la langue avec un jet de society? Tu peux tenter de reconnaître la langue avec un jet de society. Nice. Okay, on va tenter ça. 18. Jet de furtivité pour me déplacer de manière stealth. Ouf, tu es une ombre. Minerva, tu reconnais de l'infernal. Ah. Ah ouais, d'accord. La langue des diables. Moi je suis caché, hein, démerdez-vous. Bon, moi je suis pas si bien caché que ça, mais ça fait peur essayer des démons. Il y a des démons, c'est notre affaire là. Les démons. Effectivement, des diables, des démons, c'est on va essayer de se cacher du coup. Ouais.
On suit le lead. Ouais, peut-être qu'il faudrait suivre le lead. Follow the expert, vous avez un plus 2. Ouais. Okay, vous essayez de vous cacher. Un bon jeu. Vous essayez de vous cacher. Et du coup, voilà, ça doit être marrant à voir ça chez Cécile. Vous entendez des petits bruits comme un insecte qui vole. Vous voyez un truc arriver. Wow. Dégueulasse. Je vais vous zoomer sur ce truc là. Oh non, mais il est horrible. Oh, oh non, mais c'est horrible. Oh. On dirait croisement. Il est d'un moche. C'est horrible. Voilà. C'est... Moi je me dis, c'est bon, il y a des rats géants, peut-être des rats garous, tu vois. Non. Il y a des démons de la peste. C'est un bébé aux mouches. Voilà, il vous voit, il va te tourner la tête. Tu vas voir pendant un instant qu'il va te regarder, Minerva. Oh, je vais battre de la main sur mon visage en mode ça pue, c'est pas beau. Ouais, je dégaine, ouais. Je dégaine aussi. Hein. Il est parti. Non, ouais. Je vais jeter un petit caillou dans un petit pic dans l'eau. Ah ouais, ouais, peut-être. Non, peut-être bah, tu vois, pas genre, là où il était. Ouais, tu vois, juste pour alors... Enfin, quoique, on compte passer par là, donc s'il se retourne par là, c'est pas une bonne idée non plus. Moi, je suis pour la purification de ces lieux. Alors, oui, mais je veux vivre. Ouais, je lance mon petit caillou. Il était tout petit. Oui, mais qu'est-ce qu'il te dit qu'il est tout seul? Non, mais il est horrible. Peut-être que ça ressemblait à un bébé, peut-être qu'il a une maman quelque part. Oui, non, mais il est venu, il est reparti. S'il est allé chercher les autres. On trace dans la direction où on doit aller. Ouais. Mais c'était. Ouais. Alors, je sais pas dans quelle direction on doit aller par contre. Alors, c'est. Basiquement, vous devez aller à gauche, vous continuez, vous traversez le pont à gauche. Ensuite, c'est à gauche et ce sera le deuxième pont. Enfin, non, à gauche, encore à gauche, troisième pont, toujours tout droit. Ok. Attends, je vais être contre le mur aussi. Je veux pas être contre le mur, on est d'accord. On est derrière. On fait profil bas. Donc, c'est encore. J'ai sur la gauche, là. J'ai pas écouté, j'ai eu peur du gros. C'est pas une fois. C'est à gauche. C'est à mais gauche. Là, c'est gauche. À gauche. Ok. À gauche. Ouais, je peux pas. Ah ouais, voilà. Ah ça continue à faire du bruit là. Vous entendez des bzzz. Wow. Vite. Vous entendez des bzzz derrière vous. Stop. Ok, on se stop là. Voilà. Vous entendez un bzzz bien à côté de vous en fait. Et Catalina, tu vas te faire bzzz. Oh non. Bzzz. Oh non. Voilà. Niel Pops. T'es allé trop vite. Ah ouais, moi je courais, j'ai eu peur. Je fallait te mettre derrière le bouclier anti-émeute. C'est vrai. Moi j'ai spammé la flèche du clavier pour avancer là. T'as juste passé le dialogue, Cécile. Tu vas te prendre une droite, Catalina. Oh non. Un coup de mandibule. Oh. Alors que ce truc là est devant toi. Il va te frapper et il va te faire. Attends, où est-ce qu'ils sont ces. Est-ce qu'ils ont ça en plus? Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, il y a marqué attaque sournoise, mais il n'y a pas marqué combien il y a d'attaques sournoises, lui. Ah, bah écoute, je vais voir. Tant pis. Oh, c'est un D6, ça, s'il n'est pas marqué. Oui, non, mais tac. Je vais juste aller vérifier. C'est un. C'est un truc niveau 10, c'est un moment, tu vois le truc. Ah là là. Tac, combien ça a d'attaque sournoise? J'avais dit qu'il fallait les taper avant de partir. Ça. Sneak attack. Des mouches. Ah, des 6, ok. Il va te mettre une. Ah bah, non, il va pas compter dedans. Il va te mettre une belle droite qui va te faire 17 points de dégâts. Wow. Je peux pas m'assigner moi quand tu lances les dés en fait. Ah oui, bah je vais te le faire moi 17. Ok. Il tape fort quoi. Voilà, tu vois qu'il a bien touché. Tu vois qu'une espèce d'énergie noire en fait. Tu vois une espèce d'énergie noire un peu maléfique sur ses mains alors qu'il te frappe. Et je pense que c'est le bon moment pour jeter l'initiative. Voilà.
Est-ce que, comme je suis discret, je peux faire par exemple une initiative avec stealth ou un truc comme ça? Oui, tu peux faire ton initiative avec stealth. Ok. Donc je fais comment pour. Ah d'accord, ok, je vois, je viens de trouver. Est-ce qu'on se mettrait pas cette musique là? Ah. Alors. Non mais ok, non mais c'est juste que j'ai fait de la merde, j'allais dire 15, c'est pas beaucoup, mais effectivement. Okay. Ça va être lui du coup, voilà, il a réussi à surprendre et en, il va en plus pouvoir continuer. Attends, est-ce que sur ses sneaks t'as la. Mon dieu. Ah, fais-moi un jet de fortitude. Fortitude en français. Vigueur. Vigueur. Ouais. 16. Ok. Pour l'instant, tu sens rien. Ok, il va retenter. Il va retenter de t'attaquer 3 fois, il va te retoucher une fois pour te refaire 9 points de dégâts. Ok, je peux te laisser les assigner avec l'automatisme. Ouais, tac, voilà, c'est bon. Il va retenter. Karina, c'est à toi. Ok. Tiens, d'ailleurs, vu qu'il y en a un qui a quand même. J'ai pas. Excuse-moi, juste vu qu'il y en a un qui a raté quand même son jet de stealth, vous entendez un bzz dans cette direction. Oh fuck. Ok. Bon, là j'ai pas de suspect donc. Karina elle a pris cher. Je vais voir déjà si je vais le toucher. Une espèce de stratagème. Est-ce que je le touche 28. Bon, bah, 28 hein. Elle va ressortir bon. Le truc. Ouais, non, mais c'est ça, sort le. Déjà, c'est la bête, non létale. Hop. Et du coup, bon, les dommages sont pas calculés là-dedans. J'ai pas vu la stratégie strike. Ok. Attends, je lance ces dégâts. Pour ça, prendre, ça prend pas en compte. Bon, tant pis, c'est de la merde. Moi, j'ai 10, fait 10, bah, plus. 1 des 6. Ah, c'est 1 des 6. Et le des 6 de feu aussi, là. Non, pas de feu. Quoique, voici 2. Si je mets le des 6 de feu, bon, comment le feu, il s'en bat les couilles. Oh non. Eh oui. Non, bah, du coup, c'est. Et, du coup, c'est tout pour moi. En fait, on fait juste ça pour que Minerva soit pas punie, c'est ça. Oui. Oui. D'accord. Oui. Je voulais juste. Minerva. Voilà. Alors, j'imagine qu'il est trop loin pour que j'y aille en une action. Pas compliqué, ouais. Deux actions, c'est bon. Oui. 25. Attendez, j'ai oublié de préciser un truc. J'ai fait en sorte que Cosimo, pour Cosimo il sera flat foot, parce que j'ai le feat que je viens de prendre. Ah oui, ton feat de... qui s'appelle... voilà, Shared Stratagem. Tac tac tac, donc... Ok, donc en fait tu désignes quand tu touches quelqu'un... Non, quand tu dévalises un stratagème, tu donnes un conseil à un allié, et du coup, la créature que tu désignes sera pris au dépourvu pour cet allié pour sa prochaine attaque. Ah non, non, ouais, voilà. Non, voilà. Bon, donc, en fait, en gros, ouais, c'est ça. T'as une auto-sournoise sur lui, Cosimo. Ok, bah. Fais-toi plaise. Ah, c'est là, dans le tour de. Ou c'est à son tour? En fait, c'est Karina. Karina, grâce à son truc, elle a donné un petit conseil. Enfin, en gros, Karina, quand elle cible quelqu'un, du coup. Quand elle fait son device de stratagème, elle peut choisir que l'ennemi soit pris au dépourvu pour la prochaine attaque d'un de ses alliés. D'accord. Ouais, non mais on peut faire un combo de sale en fait avec ça. Ah oui, non mais ça c'est très très sale ça. Du coup, Minerva, tu vas frapper avec ta lance hein, sur ouais. Ce truc. Et bah, tu vois que ça va pas lui faire grand chose. Hein. Oh là là. Oh, ah. Catalina. Donc j'ai trois actions. La première action va être pour danser, pour le fasciner okay. Avec ma représentation. Oula, on t'entend un peu faible, Cécile ? Ah, je fais ma représentation, je vais danser. Ok. Et j'ai fait 14. T'as fait 14, c'est pas terrible, terrible. Ah, attends, je sais pas si j'avais les bonus. Je crois que j'avais pas fait les bonus. Non, mais t'as un bonus de plus 10, hein, donc c'est bon en fait.
Ah, c'est ça. Mon écharpe, elle faisait pas quelque chose. Te donne un plus 1, donc ça sera à 15, ça suffira toujours pas. Après, tu peux utiliser ta relance de la journée si tu veux. Ouais, Ali, je sens que je suis en difficulté, je vais suivre tout conseil. Et je relance ma représentation. 28. 28, ouloulouloulouloulou, c'est un critique. Oh. Bon, ça n'a aucun effet puisque tu as déjà le don pour que ton normal soit sur ton critique en fait. Ah, mais c'est pas grave. Mais tu actives le panache. Ça y est, j'ai mis. Panache. Donc c'est ma première action. La deuxième, ça va être de le pourfendre. Je te laisse le frapper. Je vais le cibler avec Alt et je clique sur ma rapière. Alors je ne suis pas installé ce mode là par contre. Ah si. Hit by 7. Là, c'est bon ? Si, si. Et j'ai fait 27 pour toucher. Tu l'as touché, ouais. Je fais les dégâts. Vas-y. Et je fais 8. 8. C'est pas fou. Fais 1 et 4 avec les dés. Oh là là, on voit qu'il a pris que 3. Ouais. Est-ce que pour la dernière action. C'est un trou à ma gauche ou c'est continu ? C'est continu. Après, tu peux aussi lever ton bouclier. Ah bah, je vais faire ça, ouais. Je vais lever mon bouclier. Tac, alors attends. J'ai un icône, non, pour le faire ? T'as pas la macro, toi, de régler. Oh, mince. Parce que la macro, elle est. Alors, tu peux aller chercher dans les macros. Ils sont dans PF2E macro, la macro Raise Shield. D'accord, je vais aller chercher. Je crois qu'en plus, t'as le feed pour le buckler, toi. Donc, toi, quand tu lèves ton buckler, tu le lèves. Ça te donne 2 d'assez, il me semble, au lieu d'un. Je sais plus, je crois pas. Si, c'est bon, c'est ça. En fait, ça t'augmente ton assez de 2 quand tu lèves ton bouclier à toi. C'est normalement. C'est Raise Shield aussi. Raise Shield, ouais, voilà. Tu peux la mettre du coup dans tes macros et tu peux la lancer. Voilà. Voilà, du coup, tu peux voir que ton assez a monté de 2 là. Ah ouais, je suis bien là, je suis contente. Voilà. Fin de tour. Vous entendez un bzz bzz, pas super discret, mais c'est quand même invisible. C'est un peu compliqué. Et ça va apparaître ici. Oh fuck. Et ça va taper. Il trouve le moyen de louper lui. Ah non, c'est bon, Flatfoot, il touche sur le pile poil. Ah. Oh ! Bouclier réactif. Ah ! Ok, tu te prends 19. Ah non, bah du coup, tu réduis toutes les sources de dégâts. Attends, ouais. Je vérifie. Ton bouclier, il réduit de combien déjà ? T'es niveau 4, donc c'est 4 plus 2, 6. Ok, donc tu. Ah non, il réduit que les dégâts physiques. Hein. Non, c'est réaction de paladin. Ah. C'est. Ouais, c'est. Elle a la réaction. C'est plus elle, c'est la réaction du neutre. Hein. Ah non, c'est du loyal. Ah bah oui, en plus, tu peux l'attaquer. C'est Retributive Strike. Donc du coup, tu réduis les dégâts, donc tu vas réduire les deux sources de dégâts qu'il le fait. Donc les dégâts evil et les dégâts normaux. Donc tu vas te prendre du coup au total que du coup 11 moins 6, je te prendrai que 5 points de dégâts. Wow, c'est bien ça. Bravo. Ouais, j'avoue. C'était à côté de moi. Voilà, là par contre tu te les as enlevés deux fois. Ah mince. Et non, tu as enlevé. Ok, tu as le droit à lui mettre une. Tu as le droit en réaction, Minerva, de lui en mettre une. Waouh. Avec le bouclier avec ou la lance, la... Avec la lance. Ah, non, t'as pris le don pour pouvoir te déplacer en faisant ça ? Attends, je vérifie. Je suis pas sûr que j'ai cette option. Principe du bien, Redhammer. Ah non, t'es Redhammer en fait, oui, c'est pas. Oui, excuse-moi, c'est pas la c'est mauvaise, t'es pas loyal bon, t'es notre bon, toi. T'es Redhammer. Ok, donc non, rien du tout. Par contre, il est Amphible 2. Ce qui veut dire, tiens. Il est affaibli de. En fait, il a un malus à tous ses jets sur la force. D'accord. Okay. C'est lequel qui affaiblit ? J'ai un truc. Bah, après, il y en a un qui est ouvert. Ouais, c'est voilà. C'est ça qu'il y en a un. Ah, qui fait qu'on pourrait courir en fait. Ouais. Tac, donc c'est à lui. Enfin, c'est toujours à lui quand même. Il va mettre sa deuxième attaque. Et il va totalement le louper. Ouf. Ok. Et celui-là, par contre. Tu n'es pas le seul à voir. Ah, quoi que tant, t'as un discrétion qui a crit. Donc en fait, il va pas les. Ouais, il va pas les t'embêter. Donc, ouais, non, ça sera encore pour Karina. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Ah, déso, pas déso, quoi, un peu. Après, t'as la tenaille. Ah non, t'as pas la tenaille. Si, t'as la tenaille. Ah, ouais. Aïe, aïe, aïe.
On va se faire sécher, je pense. On a voulu faire les cacous et passer par les égouts. Ok, il va te mettre une immense. Il va te mettre un coup, mais vraiment, 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 vraiment très sale, Karina. Ouais. Tu te prends 34 points de dégâts. Et t'as crit. Je regarde si j'ai des potions et des trucs. Allez, on a pas des potions d'invisibilité, les gars? Si, on va finir à la potion d'invisibilité. On va finir à la potion d'invisibilité. En fait, moi je suis healer, donc du coup, presque mort, ouais. Je suis healer, donc du coup, quoi, ouais. Je prends. Mais ouais, il y a un popo d'invisibilité, les gars. Son tour est fini, du coup. Ok. Wow. Ça dure combien de temps, une potion d'invisibilité? Ça dure 10 minutes. Ok, d'accord. Donc. Non, mais. Ouais. Vous inquiétez pas, je vais bien, je vais me re-soigner en rien. Moi je pense qu'on s'enfuit, hein, quand même. Ça a l'air hardcore comme truc. Essaye d'en tuer un pour l'honneur. Ouais, je vais lancer ma dague en furtif sur celui-ci. Tac, ok. T'es assez loin quand même, t'auras malus de moins 2, moins 4. T'as moins 4 de malus là. Ok. Oui, si mais il est flat foot. Ouais, il est flat foot. Donc ça change quoi, c'est... Ah, si tu te rapproches jusque là, t'auras pas de malus, tu peux pas de malus. Ok. Ah. Bah, je vais me mettre ici. Ok. Je vais lancer ma dague en sneak sur lui. Bah, tu peux faire même ton... Tu peux même faire ton double slice. Pour lancer tes deux dagues d'un coup. Pardon? Ah non, tu peux faire ta double attaque. Mais en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était lancer un truc, prendre une potion et qu'on se casse, en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, du coup, vas-y. Voilà. Donc, je vais lancer... Alors, je sais pas si je l'ai... Je crois que je l'ai pas en sneak sur le... Si vous, il faudra bien qu'on repasse. Il faut les finir. Bon, mais ça va. Je vais faire deux attaques, c'est bon. donc, je fais attaque. 29. 20. Flat foot, donc... Tu crites. Ok, ouais. D'accord. Je clique sur critique. 12. Et tu peux lancer tes dégâts de sournoise, ton D6 de sournois. 5. Ça fait 10. Donc 10, 22. Ok, 22, ça va faire ça. Oh. Oh bah, ça va faire ça. Il a... Ok. Ils sont prenables. Et il me reste une action. Je vais attaquer celui-ci. Avec la tenaille. En non sournoise alors. Si t'as la tenaille avec Karina. Non, si. Ah j'ai la tenaille. Parfait alors. Donc attaque. Ah non, moins 4. Donc ça fait 20. 28 moins 4. 24. Tu touches. Oui. Tu peux mettre tes dégâts et ta sournoise. Dommage, 10 et la sournoise. 3. Ok, donc un petit 7 points de dégâts. Voilà. Bravo. Karina, 7 à toi. C'est bon, ils sont prenables. Alors, moi je vais reculer là. Oui, tu disais à Minerva. Non, mais je me demandais si on pouvait pas échanger de place en un tour. Ah non, mais là, Karina elle est partie se mettre derrière, c'est bon. Oui, non, bah c'est bon du coup. Okay. Je vais faire là et je vais faire la battle médecine DC 20. Ok. En espérant que ça passe. Donc tu te soignes avec ta trousse de médecin, c'est ça? J'ai pas des bonus à ma médecine, non? T'as la classe médique, non? Ouais, j'ai la classe médique, ouais. Est-ce que ça te file un bonus, attends? Non, je suis juste expert en médic, médecine. Ouais, non, bah du coup, tu rates 2-1, sauf si tu fais ta relance. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ma relance. Bon, c'est pas... Non, c'est bon, après... Après, crafting, c'est même bonus, donc poche la carte si tu veux. Bon, moi, ça va alors. Bah, du coup, ça passe. DC20, c'est quoi déjà les dés? C'est 2D8 plus... combien? En plus, toi, c'est n'importe quoi. Oui, moi, c'est genre, je plus... Moi, j'aurais tout un flat plus 9. Attends. Crit wound. C'est 2D8... Plus 2d8 plus 10 plus 9, 2d8 plus 19. Ok. Bon, ça va.
Elle se remet dans 8 HP, voilà. Hop. Et en dernière action, parce que j'ai lâché mon kit, j'ai lâché mon arme, du coup je vais ranger mon... Ah, tu peux toujours battle medic aussi, en fait, Katana je... Ouais, du coup je vais faire ça. DC combien? Peut-être DC 20 là, du coup, parce que ça me fait peur. Ça fait peur de le rater quand même. Vas-y, je tente le DC 20. Oh, oui. Oh c'est pas un crit. Oh. Ouais, du coup, slash R, 2D8. Plus 19. Oh, 24 HP. C'est vrai que c'est dans le nom de la map. Ouais. C'est ça, moi. Donc plus 24. Si je mets plus 24, il me l'ajoute. Ouais. Tu peux juste appuyer sur le petit cœur. Tu veux juste appuyer sur le petit cœur aussi. Ouais, c'est ça. Minerva, c'est à toi. Tu es en face de ces démons. Hop, tenaille. Paladin. Un tonnerre. Et un petit coup de lance qui arrive tout de suite. Ah, échec critique. Ah. Et qui n'arrive pas tout de suite. Malgré la tonnerre. Tu vas mettre un coup de lance, en fait, tu vas taper dans le mur, tu auras l'air un peu bête et tu vas voir que le truc qui est en face de toi va faire. Oh non. Je peux pas l'insulter pour qu'il m'attaque moi après en... C'est une entité. Tu peux l'insulter, comment tu fais du coup? Je connais pas par hasard juste une insulte en infernal. Fais-moi un petit jet de society. Quoi qu'attends, tout à l'heure tu l'avais... Tu le regardes méchamment. J'avais reconnu la langue, donc tu sais, c'est genre, c'est comme nous, en espagnol, on connaît tous cabron. Ok. Oui. Non, en infernal, peut-être que je connais l'équivalent. C'est cabron. Cabron. Du coup, tu vas lui dire, tu vas prendre ta dernière action pour lui dire ta mère suce des ours en infernal. Il faut savoir que les démons n'aiment vraiment pas les ours, tu vois. Voilà. Du coup, il a l'air pas content, effectivement. Fait qu'il te répond, il a l'air de s'offusquer. Impeccable. Catalina, bon, du coup, ton bouclier n'est plus levé, tu peux le baisser. D'accord, je peux le baisser. Et dans le chat, on demande c'est quoi les monstres dans le monde du bestiaire. Je vous le donne à la fin du combat, si vous voulez. Okay. Les gens veulent savoir. Ah. Je vais prendre une action pour me déplacer. Alors j'ai pas la tenaille moi, quoi qu'il arrive. Hein. Je suis dans les égouts. Non, t'as pas la tenaille. Tu tapes celui-ci, t'as pas la tenaille. Non. Non, il faut en diagonale. En fait, la règle. Oui. La règle pour la tenaille, c'est qu'en fait, il faut que si je trace une flèche entre vous deux, ça parte d'un côté et que ça rentre d'un côté et que ça sort du côté opposé. D'accord, ok. Là, si je trace une flèche, je rentre en haut et je sors en bas, quoi. Je vais l'attaquer avec ma rapière pour ma deuxième action. Hop. Tu touches. Normalement, ça touche. Je vais faire les dégâts. 10, ok. Et je vais tenter. Je sais pas si... Non, je pense qu'il faut que je garde mon panache et pour. Je vais retenter donc de l'attaquer à moins 5 cette fois. C'est ça. Et c'est raté. C'est raté, ouais. Ça va être à lui du coup. Bon, lui, il ne s'est pas fait insulter. Je vais lancer un des trois pour savoir qui l'attaque. 1, ce sera Catalina. 2, ce sera Minerva. 3, ce sera Cosimo. Ah, j'ai pas remonté mon bouclier en plus. Il va attaquer Cosimo. Ah tiens. Ok. Tac. Ah. Critique. Ah. Tu te prends 22 points de dégâts, il va te mettre une grosse droite dans la bouche. Oh là là. Ah, je suis à 1000 PV, en une gifle. Ah ouais, il tape fort. Hein. Et il va rater les deux autres. Faut que je revienne passer de l'autre côté. Lui du coup il va te dire un truc en infernal. Tu sens quelque chose dans le ton de tu la connais pas ma mère. D'ailleurs, tu fais pas de réaction Minerva sur l'attaque. Ouais c'est vrai ça, tu fais pas de réaction. Je peux pas, t'es pas à côté de moi. Non c'est 15 feet de toi. Ah c'est oui 15 feet. Ouais. Oui. Ah bah si c'est 15 feet, oui je peux, effectivement. S'il te plaît, merci, enfin. Ah oui, bah oui, mais moi je pensais que c'était qui était adjacent. Tu peux regagner 10 points de vie, Cosimo. Ok, merci. Ah non, excuse-moi, 12. Ah, encore mieux. Ça change tout d'un coup, là.
Bah, ça change un peu. Voilà. Je te cache pas que merci. Ouais, j'apprécie le jeu. Et du coup, ce démon à qui tu as insulté la maman va te frapper. Et il tente de te frapper, tu vois, il se met à tourner sur lui-même. Mais rien il fait. Ouais, je vais me foutre sa gueule, hein. Non, mais. Et Cosimo, c'est à toi. Ok. Alors, moi, je vais essayer de suriner l'ours. L'ours. Le démon qui passe à moi. Bah, comme tout à l'heure, hein, avec ma sournoise. Puisqu'on est en tenaille, comme on. Hop. Attaque. Je relance. Je tente ma relance. Oh, putain. Ah, ok. Là, là. Bon, mais ça veut pas. Ça veut pas. Donc je vais faire une attaque classique pour la suivante. À moins 4. Qui touche. Voilà. À moins 4. Et je fais mes dommages. Et ma sournoise. Voilà, 6 de sournoise. Voilà. Et pour ma dernière action, je vais retenter une attaque. Voilà, je me sens en veine. Allez. Non. Ah, raté, dommage. Kata, ça va être à Karina. Ok. J'ai tenté le device de stratagème sur sur lui, tiens. Sur lui. Oh. Ok. Ouais. 18, je sais pas si je touche. Bah, je te le dirai pas. Oui, logique. Du coup, je vais tenter. Du coup, je vais lâcher mon kit de médecine, prendre mon arbalète et tiens. Ça va passer à côté. Ah, nice. Carita. Un manteau. Fais du non létal. Non, c'est pas du non létal, c'est. C'est quand elle essaie de faire du non létal, elle fait du 100% létal. Minerva, c'est à toi. Ah, eh ben on va lui donner des coups de lance. Surine-le comme en prison. Eh ouais. Oh là là, 25. C'est beau. Ah, 10 de dégâts. Piercing. Donc tu touches. Je vais faire 10 de dégâts perçants. Mais ça ne suffit pas pour le faire tomber. Ah la vache, tank. Hein. Ah là là. Ah oui, d'ailleurs, celui qui était là-bas, en fait, à la seconde où vous l'avez vaincu, ce qui s'est passé, c'est ça. Ah, il a disparu. Des pop. Oh, ah, il a des pop, okay. Genre boum. C'est des invocations, je pense. Ou ils sont dans un miroir quelque part. J'ai encore des. Oui. 13 de actions, non, pas de miroir. Sonzo 666, miroir, tout est lié. Bon, ça, j'imagine que ça loupe. Ça loupe, oui. Effectivement. Mm-hmm. J'entends un dernier quand même. Allez. Allez. Oh là là. Ah là là. Mais t'inquiète pas, tu auras d'autres de ces aberrations à affronter dans la campagne. Et au niveau 6, ouais. Je te conseillerais un don. Quand tu vois ces gens-là, t'as un don. Quand t'es pas là-dedans, tu les regardes, tu dis « Ça, quel plaisir !» Oh, Catalina. Je vais attaquer celui du bas. Ok. J'ai pas réussi à le sélectionner. Ah, c'est bon. Et je vais utiliser mon double panache, mon finish. Ton finish ? Ok, très ouais, bien. Ouais, je le sens bien. Je lève ma rapière et je plante... dans l'œil, si je peux. Voilà. Ouh, ça touche. Ouh, ça touche. Donc je fais des dégâts, je clique. Hein. 8. Ah, sérieux, c'est ça. C'est pas fou, finish. 2, 10. Et mais j'ai tout raté mes dés. Ah oui, j'ai tout raté mes dés. 1, 3, 2, 1. T'as tout raté tes dés. Oh, j'ai tout raté mes dés. Oh, c'est triste. Oh, c'est... Mais c'est. Je pense que tu sais, j'ai trop visé l'œil et je l'ai trop regardé à ce moment-là et j'ai pas bien enfoncé, tu vois. C'est... Ouais, ça m'a horrifié. Faut viser dans le gras, tu vois. Bah, du coup, tu perds ton panache. T'es plus en panache, ouais. Et lui, il est. Bah, il a. Il est pas mort. Bon, bah, je vais l'attaquer normalement, tant pis. Non, tu peux pas. Ah oui, c'est vrai que. Attends, je suis plus. Elle veut pas. Finisher, attends. Mais non, elle peut.
Non, peu plus. Je crois que tu peux pas en tant que console fiche. Justement, je vais vérifier. Ouais, je peux pas rattaquer. Ah, on va voir. Ouais, ça, c'est pas grave. Ah, effectivement. Donc, c'est quoi la règle alors? La règle, c'est que tu ne peux pas utiliser d'action avec le trait attaque jusqu'à la fin de ton tour. Ah, donc vaut mieux que je fasse ce finisher sur la deuxième attaque alors. Par exemple, ouais. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux refaire un jet pour récupérer le panache. Ah ouais, oui, tu peux refaire une danse. Je vais danser, mais mon macro elle est cassée, alors je suis un peu triste. Je vais aller cliquer représentation. Donc je refais des petits pas dedans. Ah, j'aurais dû attaquer. Oh. Ah là, tu fais le coupé décalé, les deux ils sont en train de te regarder. Hein. Ok. Jamais. Et je lève mon bouclier en toquant. Ok. Tu vois que lui, du coup, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il continue à attaquer Cosimo, mais en même temps, il essaie de te regarder. Du coup, il a un malus. Ah, j'allais dire, il se brise la nuque, mais. Du coup, il a un malus et il va rater absolument toutes ses attaques. Il a un malus de moins 2, ce qui fait qu'il va rater absolument toutes ses attaques sur toi. Voilà. Et l'autre, il continue à. L'autre, du coup, il. Tu vois qu'il te répète à peu près. Enfin, il est en train de faire des trucs. Il te dit des trucs, Minerva. Et tu reconnais plusieurs fois, en fait, puisque tu lui as dit toi-même, le mot maman. Tu sais pas s'il te dit, mais apparemment, il parle de ta maman. Et il tente de t'attaquer 3 fois en parlant de ta maman. Et voilà, tu sais pas ce que tu dis, par contre, tu sais qu'il a pas réussi à te toucher du tout. Écoute, ça marche, Minerva, continue. Par contre, je crois qu'il a touché ta maman. Verbalement. Ok, moi je retente le. Bah écoute, la sneak sur celui qui est face à moi. Je suis un mec simple. Simple, efficace. Pas tant que ça quand même. J'en refais une. Raté. Et la troisième. Ah bah. Ah oui, c'est pas. Ah bah écoute. T'as, le gars, il a un PV de la mort, quoi. Mais oui, mais c'est ça, c'est. Ça veut pas. Alors, le cher lui. Non, létal. Essaie de le sauver, s'il te plaît. Je vais essayer. Oui. Ah, bah voilà. 23, tu. Oui, il y a de grandes chances que tu touches là. Après, tu fais tes dégâts. Ah, oh, c'est triste. Oh. Les dents sont pas avec nous là, qu'est-ce qui se passe? Ah là, ouais. T'as un double 1 de grenade là? Dommage, là t'aurais tiré l'autre avec les dégâts, ça aurait été impeccable. Je crois que j'ai pas de grenade d'acide. Ouais, t'as. Enfin, si, t'as peut-être de l'acide, mais là pour l'instant t'es réglé en feu en fait, et le feu ça leur fait absolument rien. Ouais. Que du feu, ça va. Je veux dire, enfin. Bon, bah. Bon, bah, ensuite, deuxième action, bah, je vais recharger une d'acide là. Et. Après, je vais tirer sur lui. Ah. Oh, ouch. Bah non, du coup. Mon dieu, c'était chez. Bah non, du coup. Nice. Okay. Minerva. Bon, l'autre qui insulte ma mère, là. Et les ours, apparemment, aussi. Tu touches? Ah. Ah bah. Je l'empale, on est d'accord. Poup. Il est coupé décalé lui. Voilà, il est coupé décalé. Il t'en reste encore un, hein. Allez, on va tenter. Allez, on croit en toi. Pas terrible, hein. C'est raté et c'est raté, ouais. Aïe aïe aïe. C'est à Catalina. Bah écoute, je vais l'attaquer avec ma rapière. Tu as récupéré ton panache entre temps, hein? Oui. Je vais oublier de le lancer. Alors attends, je remets la macro. J'ai la macro 1, hein, c'est bon? C'est ça. Ok, je refais sur le. Avec la macro. Et j'essaie de le toucher. Et tu touches. Ok, je fais donc les dégâts. Et je fais 9. 9 de dégâts. Bim! Alors, c'est comme ça qu'on danse. Et après, je m'emballe. Je touche pas. Après, je vise dans le vide. Deuxième coup de rapière qui touchera pas malheureusement. Oui. Et je vais remonter mon bouclier à la troisième. Ok. Lui, du coup,
vous voyez qu'il est tout seul au milieu de vous tous. Du coup, attends, je vais juste faire un truc, tu sais. Bon, mais t'es, il est toujours pas mort, lui. C'est incroyable. Attends, lui, on a raté beaucoup de jets. Ouais, ouais. Mais on l'a pas tapé, en fait, lui, surtout. Bah, je crois que mon truc, il a planté. Ah. Ah, t'as planté. Vous allez voir que le truc, ouais, le truc, il va incanter, brièvement. Vous allez le voir faire bzz, 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 bzz. Et puis, il va disparaître. On se casse. On se casse. On court. Tout le monde va bien. Ça ira, je pense, jusqu'à. Mais on bouge. On bouge. On reste en formation collée serrée. Voilà. Je reste vers Minerve. Arrête, et avance. Collé au mur. Hein. Ouais, on se colle. Juste avant, je veux juste faire un recall knowledge, pas sûr pour savoir ce que c'était. Religion. Fais ça en marchant. Et un petit imposition des mains à qui veut. Alors moi ça va. Écoute, moi ça me dérangerait pas là. Il me semble que c'était. Alors voilà, tu réfléchis un petit peu à ce que ça aurait pu être, Karina, et tu reconnais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Zélub. C'est un démon de l'accusation. De l'accusation. C'est un démon de lait. De l'accusation. C'est des démons de l'accusation. Tu sais que c'est des. Voilà, c'est. Oui. C'est celui qui te pointe du doigt en fait. En fait, non, c'est pas celui qui te pointe du doigt. C'est des démons qui ont des capacités assez spéciales. Qui, déjà, bon, comme beaucoup de démons, peuvent se mettre invisibles. Et qui en plus ont la capacité en fait d'enregistrer tout ce qu'ils voient avec leurs yeux. Il m'enregistre en train de danser. Il t'enregistre en train de danser. Je vous propose sur ce de boire les potions d'invisibilité. Oui. Et il peut te passer la rediff. Il peut te passer, passer la rediff. Oh là là. Ah, c'est donc pas bon ça. Bah, écoute, on est masqué. On est masqué, c'est Oui, on est masqué. Ouais, mais. Voilà. Moi, j'ai une cherche à savoir un truc. Est-ce qu'il peut voir les choses invisibles avant que je prenne une potion? Non, il a pas spécialement de capacité pour voir les choses invisibles. Voilà, je savais qu'on aurait dû prendre des potions. Il voit dans le noir, c'est tout. Moi, j'en ai une, je la bois. Vous voulez pas les garder pour le retour? Oh, je trouve. Non, mais alors. On dort chez toi, on dort chez toi. On dort chez toi. S'il faut, on dort quelque part, mais je repasse pas par les égouts du démon. Hein. voilà. Pas mal pressé, c'est pas mon genre. Genre, t'as vu les égouts? Il doit y avoir des tavernes ou des auberges dans le quartier. Des hôtels, peut-être. Oui. J'ai de quoi payer. Ok, sortons. Et s'ils ont tous bu la potion, moi je fais pareil. Hein. Ouais. Ok, bah vous avez tous les potions d'invisibilité du coup. Oui. On t'aura mis une pression sociale pour que tu le fasses de toute façon. Bah j'ai. C'est où en après qu'on doit aller Donc du coup, je vous dis, c'est 3ème pont, donc là c'est le premier. Ok. Heureusement qu'il me suit. Le 3ème pont à gauche. Voilà, donc là c'est le 2ème pont, en fait le 3ème c'est celui qui est. Enfin bon, techniquement c'est le même pont, mais bon, voilà, c'est celui-là. Ok. Je fais attention qu'il n'y ait pas les planches trouées et j'avance. Et après, le pont. Après, ils ont dit c'est toujours tout droit. Toujours tout droit. Voilà, vous entendez parler en infernal. Là, vous êtes invisible, vous entendez parler en infernal et vous voyez du coup ce démon mouche. Attendez, arrêtez de bouger. Okay. Vous voyez ce démon mouche qui parle à un autre démon qui ressemble à ça. Oh, il est en train de lui dire ce qu'il a vu, non? Ah non, c'en est un autre. Bah, il est en train de, basiquement, vous voyez qu'il est en train de. Il est en train de partager, enfin, tu sais que là, il est en train de partager ce qu'il a vu avec l'autre. Oh, wow. Du coup, l'autre a les connaissances. J'aurais tellement lâché la même insulte là. En passant, ta mère se tape des ours. Est-ce qu'on peut. Mais il va sauter route, par là-bas là. Ouais, il part la route, ouais. On va sauter par là-bas, je pense. Mais en étant invisible, on peut pas le pousser dans l'eau. Bah. En vrai, si on le court et qu'il nous voit pas venir. Moi, je tenterais de sauter au-dessus. Tu vois. Tu peux pas déjà essayer de savoir ce que c'est exactement? Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui. Okay. Je sais pas, moi je mets mon bouclier devant moi, qui est invisible aussi, je cours et puis on lui fait un tacle à l'américaine dans l'eau. Moi je trouve c'est sport, moi j'aime beaucoup par contre, voilà.
Non, je sais pas ce que c'est. Tu seras pas là. Après, tu peux essayer toi aussi, Minerva, en religion. Hein. Tu peux aussi, me semble. On va essayer. Moi je peux tenter aussi, je suis pas sûr que j'y arrive. Mais je peux vous pouvez tous faire en religion, y'a pas de soucis. Ok. Voilà, j'ai un en religion. J'ai fait une présentation, je sais pas pourquoi j'ai. Minerva. Je pense que c'est un rat géant. Tu vois. Minerva, tu reconnais. Attends, comment ça s'appelle? C'est un autre type de diable, lui. Tac, donc c'est un barbazu, c'est un diable barbu. Ah. Voilà. C'est très fort ou c'est. Alors. Voilà, ce truc, tu sais que c'est une saloperie. Si l'autre est un très bon diable pour l'espionnage, celui-ci c'est un combattant. Ok. On est prêt ou on n'est pas prêt? Mais est-ce que je suis capable de dire si c'est genre. Dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie des diables, en fait, c'est le fantassin, si tu veux. D'accord. Voilà, c'est un petit peu le fantassin. Et attends, je vais quand même te donner quelques petites choses. Alors, tu sais déjà que comme les démons mouches, ils possèdent. Enfin, ces attaques peuvent te rendre malade. Je viens de comprendre pourquoi tu en étais malade. Moi, j'ai mon plan qui est tout prêt, hein. Et tu sais aussi que s'il t'attaque, il peut te faire saigner. Et c'est assez dangereux parce que c'est un saignement qui est très 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 difficile à retirer. Voilà. Mais est-ce que c'est imaginé pour la révolution? J'ai tellement envie de le pousser dans l'eau, me mettre à côté de l'autre petit démon, balancer mon insulte pour lui faire croire que c'est le petit démon qui l'insulte. Après, si tu le pousses dans l'eau avec les potions d'invisibilité, au moment où tu le pousses, tu redeviens invisible. Ah, je redeviens visible. Ah oui, donc... Est-ce que, par exemple, on peut sauter ou faire des acrobaties en étant On pouvait sauter, invisible. Oui. Ok. On se le fait pas, alors? Et c'est peut-être lui qui est responsable des gens qui sont malades dans la ville. Ouais, mais ouais. Peut-être qu'on viendra. Ah, oui. Comme je. C'est. Lui, c'est un. C'est un troufion. Ouais, ouais. Et voilà, moi je pense qu'on peut, peut-être y aller. Et puis après, on reviendra avec des renforts, peut-être. Avec des potions surchargées et prêts à. Minerva, toi qui connais les prêtres, peut-être que. Oui, et justement, on a l'avantage du nombre et l'effet de surprise. Je pense qu'on peut aussi aller voir. On s'est fait bolosser par un espion. Parce qu'il y a un espion. Et, parce qu'ils avaient l'avantage, mais nous, là, si on le vise bien, il s'en va. Attends, la filature. Attendez, laissez-moi faire le premier coup. Je reste à distance. Et laissez-moi faire le placez-vous, je fais le premier coup, et dès que je vais tirer une flèche, vous y allez. Okay. Défoncez. Ça va tellement mal, mais ça va être très Du coup, moi j'attends de... Je vais voir si je touche, du coup. Okay. Je suis prêt à attendre. Tu peux faire un petit bond pour de l'autre côté, tu vois. Il avance par là en même temps, donc c'est compliqué, tu vois. Mais tu peux faire le bond, mais voilà, tu sais qu'il faut attaquer vite parce que là, il avance, il va de ce côté-là. Ok. Bon, vas-y, c'est pas grave, je vais toucher là. Ok. Bah, je vais toucher là. Avec de l'acide cette fois. Ok. Et je. Mince, j'ai pas mis le truc strike, le strike. Du coup, hop. Je vais rouler le 1d6 de précision et 1d6 d'acide. En mon état. Voilà. Et je désigne Cosimo. Cosimo, il sera flat foot. Okay. Cosimo maintenant. Et je tente aussi J'ai du Kno Weakness. Je sais pas si tu devrais pas le donner à quelqu'un d'autre, parce qu'il a déjà sa sournoise. Moi, j'ai déjà la sournoise, comme je suis Ah non, mais en fait, vous l'avez tous, puisque vous êtes tous invisibles pour l'instant. Ah, okay, d'accord.
Voilà, le truc c'est que par contre, là tu peux faire ton Knowitness, mais le combat va commencer sur ça, tu vois. Ok. Je sais pas. Ok. On a le même init que tout à l'heure. Voilà. Non, vous pouvez relancer là. Mais vous pouvez tous lancer sur Sneak, lui lancer sur Perception. Moi j'ai mes modificateurs. Ah, en fait, du coup, je suis seul à une grille, donc je vais me charger en fait. Oh, c'est un démon. C'est un démon. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va avancer. Il va avancer jusqu'ici. En fait, il va se coller contre toi, Cosimo. Mais il te voit pas. Ok. Du coup, il va tenter de taper. Il va tenter de taper. Et en fait, il va taper avec son épée dans le mur. Ça va être un petit peu chiant. Il retente. Ok. Oh putain, attends. Le flat check. Ouais, je l'ai fait. C'est un flat check 11, hein. Ah non, il te voit pas du tout en fait. Ouais, il voit pas du tout. Flat check 11. Oh sa grand-mère. Quoi, il a fait quoi? Parce que nous on voit pas les jeux en fait. Ok, tu vois qu'il tape, tu vois qu'il tape en fait. Tu Minerva, tu vois qu'il touche Cosimo. Oh. Et je peux bouclier d'ici ou c'est toi? Tu peux bouclier d'ici, ouais. C'est quoi, t'as dit c'est 15? 15 feet, ouais. 15 feet, hein. Pile, ouais. Arrêtez-moi, je serais mort. Oh ouais, non, mais là. Non, mais j'ai pas vu combien là. Ah ouais, non, mais là, en fait. Attends, je vais calmer le monsieur. Je vais calmer le monsieur, voilà. Mais t'inquiète, au prochain tour, il est mort, tout va bien. Ouais, c'est ça, mais il y a l'échelle, barrez-vous. Alors, bah, après, voilà, vous voulez la version calme ou vous voulez la version énervée Non, la version calme, moi je suis pour. Faites pas les malins, c'est moi qui prends les coups, tu vois. On va partir sur la version calme, c'est mieux. Cosimo, tu vas prendre... du coup, c'est... 10. Tu vas prendre. Bon, du coup, il avait un crit mine dégâts, ça tombe bien. Bon, tu prends 14 points de dégâts au total, réduction enlevée. Ok. Voilà, faut savoir que la version énervée juste avant, il t'avait fait 40 réductions enlevées. Voilà, j'ai 44 PV. Ah. Hein, pour le moment. Non mais c'est bon, j'aurais pu te battre le médic et t'aurais été bien. Ouais, mais il aurait fallu qu'il se relève. Voilà, c'est. Donc, Attends, retourne où t'étais, Karina. Oui. Non, en fait, c'est juste que là, mon truc plante, en fait. Ah, ok, d'accord. Ah. Bon, en attendant, c'est le tour de Cosimo. Ok. Tu es toujours invisible, Cosimo. Ok, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un coup de dague. Attaque deux fois. Ouais, je vais faire le truc pour attaquer deux fois. Ouais, comme ça t'as ta sournoise sur les deux, en plus avec ton truc pour attaquer deux fois. T'as la sournoise à la première, voilà. Parce que t'es invisible, et t'as la sournoise à la deuxième puisque tu fais ton truc pour attaquer deux fois. Donc, je le sélectionne. Raté. Et la deuxième. Et la deuxième. Raté. Je crois pas en toi. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que voyant comment ça se passe, est-ce que je peux faire un jet d'acrobatie pour sauter de l'autre côté du... Tu peux, oui. Ok. Et c'est ainsi que je tombe dans l'eau. Tu vas sauter de l'autre côté. Sauf qu'il y a un truc que t'as pas prévu. C'est qu'il y avait l'autre truc invisible. C'est qu'il a une attaque d'opportunité. Oh. Je me suis posé la question si on avait une aussi. Ouais. Alors, il n'y a pas l'équivalent de disengage dans Pathfinder? C'est un step. C'est le pas de placement. Si tu peux faire un pas de placement, ouais. Attends, quand même, est-ce que le leap, c'est... Juste vérifier, il y a... Voilà, moi je fais le... Oui, c'est très beau, de toute façon. Ouais, en fait, ça va. Oula, ouais. Bon, ce combat, il va être dur, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous voyez? Tu vois? Ok, en fait, tu vas pas réussir à sauter du tout. Ok, d'accord. Même pas sauter. Donc, j'arrive même pas à sauter et je me prends un coup. Tu es dying 2. Il te crit. Ah, voilà. Alors, il t'a attrapé par la jambe et. En gros, au moment où il saute, il lui a mis un gros coup en fait et il l'a remis au sol quoi. Ok. On lui a fait aucun point de dégâts. Voilà.
Mais si, mais il a pas pris les dégâts que j'avais fait au tout début là pour. Ah oui, c'est vrai. Attends, t'as fait combien au total? 27, je crois. Ouais, j'ai fait 27, j'ai fait 6, 5, 2, 2, ça fait 13 points de dégâts. Mais c'est de l'acide, c'est réglé sur l'acide, c'est tout. Ah, ok. Et là, on va voir la barre qui fait un tout petit blut. 13, du coup. Ouais. Ok, très bien. Ah. Ah, quoi que t'avais l'acide. Ouais, non, c'est mais c'est bon, ouais. C'est ça, c'est bon. Hop. Cosimo, du coup, je te passe ton tour avant le sien. Là, t'as ton tour, bon. qui est avant le sien, t'es mourant de Karina. C'est à. Je range mon arbalète, je viens ici, battle médecine. Tu donnes tout. Merci. Je pense que je vais peut-être mettre l'assurance là quand même. Assurance ? Ouais, je pense que c'est peut-être là. Ok, du coup, ça va faire 2d8 plus 9 HP flat. Non, 2d8 plus 5 seul. Plus 4 seulement. Plus 4 ? Ouais. Parce que c'est que quand je suis à DC20 que je plus 5 de. Ah, ok. Vas-y, du coup. Plus 4. 12 points de vie pour Cosimo. 12 points de vie. Ok, et le dying, alors ça marche comment En fait, tu retombes. Tu perds le dying là. Mais tu es du coup blessé 1. Enfin, tu perds le mourant, mais tu es blessé 1. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, si tu retombes, tu seras directement en fait mourant 2. Ok. Voilà. Okay. Voilà, et je crois que Karina, c'est tout. Hein. Faut que t'en t'as fait. Ouais, c'est tout. Catalina. Ouais, j'ai pas du tout apprécié ce qui vient de se passer. Je m'enflamme. Je vais me déplacer pour avoir la tenaille ici. Ouais. Je vais faire ma. Ah non, parce que là, je vais pas faire mon panache. Je vais profiter d'avoir l'invisibilité pour l'attaquer et après, je ferai mon panache. Ok. Ou ma levée de bouclier. Donc je vais l'attaquer dans le dos. 15, 17. Tu as raté là. Ok, du coup j'apparais et je vais lever mon bouclier. Ok, très bien. Minerva, du coup. Alors, non, attends, si je le fascine, il y a plus de chances qu'il me tape moi que Cosimo. Si tu le fascines, il y a plus de chances qu'il te tape toi que Cosimo, oui. Ouais, pour le frérot. Pour le frérot, je. Merci. Pour la MIFA. Ouais, pour la MIFA. Fait 15, bah je suis bloqué à 15. Aidez-moi, je suis bloqué à 15. Les G, ils sont pas avec toi, quoi. Non. Minerva, ouais. Tu repousses sur toi. Je vais me mettre là. Y a pas moyen de le grab et de le jeter à l'eau. Tu peux faire un jeu d'athlétics. C'est une sorte de planchette japonaise, tu vois. Allez, avec le revers de la lance et tout. Alors, athletics. Dans les mollets. Une brochette retournée. Ça 14. Rate. Mais ça, c'est quoi ces jets? Mais on va mourir en fait. Il y a pas d'avantage du fait que je le fais en invisible. Bah t'as un avantage, mais ça suffira pas quoi. Genre... T'as pas une relance? Bah si, j'ai encore une relance. Peux tenter. Tu peux toujours tenter, ouais. Allez. Allez. Ah, bloqué, j'ai 15. Ça marche pas pareil. On est tous bloqués à 15. Bloqué à 15. Pressulation. Oh là là. Une attaque normale. Mais j'imagine que j'ai un moins 5 quand même sur l'attaque là. T'as ou un pas moins 5 quand même, ouais. Aïe aïe aïe. Bah ouais, on est loqué. C'est un truc de fou là. Cosimo, c'est à toi. Cosimo, okay, t'as la tenaille. Ouais, j'ai la tenaille, mais si j'essaie de me barrer, il peut me taper. Après, il a déjà fait son attaque d'opportunité. Il a déjà fait son attaque d'opportunité. Donc, je vais essayer de passer sur. Bah, tu te relèves et tu peux sauter okay. D'autre côté. C'est un jet d'athlétisme. Un jet d'athlétisme, ouais. Non, c'est un combatif pour toi, ouais. Voilà. Tu fais un saut carpé, ouais. Ok. Et très situation. Je vais lui lancer un couteau. Donc. Ah. Tu voulais pas l'attaquer quand t'étais en tenaille pas... Non, non, non. Je prends pas le risque en fait. Je suis un petit joueur.
Tu touches. Ah, tu touches. Et, je fais les dommages. Voilà. Et tu lui fais des dommages. Ah. J'ai vu comment ça a disparu, j'ai trouvé ça un petit peu... Bon bah... C'est lui. Bah lui du coup il était sur Catalina, donc il va taper Catalina. Il va te mettre une attaque, il va te louper. Il va te remettre une attaque. Il est bloqué. Il va te relouper, il va te remettre une attaque. Mais qu'est-ce que c'est? Il va te relouper. C'est bon, c'est l'heure. À 23h26 on rate tous les jets, c'est bon, même les ennemis. C'est bon. Il m'a vu danser, il hésite. Non, ça, plus tard, c'est pas grave. Ok. Hop, c'est à Carina. Je remarque que les parties où on n'est pas fatigué, elles se passent moins bien. Bah non, je sais que je vais le rater. Ouais. Je vais tenter de passer de l'autre côté, moi aussi. J'ai d'athlétiques. 17. Bon, je pense pas que je réussisse. Bah c'est 20, donc c'est 20 en fait. Donc tu vas tomber là en fait, tu vas tomber... Plouf. Non, je prends un peu d'élan là, 5, sur le bord et... Ah oui d'accord, oh, bon, je te l'accorde, allez. Merci. Et voilà. Du coup c'est la fin de mon tour, donc je peux faire un long jump sans élan. Ok. Et voilà. Catalina. Ok. Je regarde mon arme et je me dis... je vais essayer de tenir encore un peu. Là je vais le fasciner, hein. Là je fais la danse. Là j'y crois, je vais passer le palier là. Non, je suis pas en panache, ça marche pas. Ça passe pas. T'as pas le panache encore. Ok. Bon, moi, je vais l'attaquer. Allez, j'y crois, c'est la première attaque. 28. Tu touches. Beau. Ok. Quand tu ferais gaffe, t'es toujours en panache. Ça te met pas de bonus à l'attaque, mais tu touches quand même. Alors attends, faut que j'enlève. Ouais, faut que tu recliques deux fois. C'est bon, parce que je vois. Là, t'es en finisher. Voilà, c'est bon, là, tu l'as plus. C'est bon, parce que j'avais l'icône cachée par l'ombre de la map. Ah, ok. Donc, et là, je fais les dégâts. C'est ça. C'est bon, je suis pas en finisher. Hein. Ouais, non, mais là t'as. Oh non, mais 3, mais. Pff, double 1, non, mais. Oh là là, mais. Tout ça pour ça. Et il te reste une action du coup. Je regarde Minerva, je regarde l'échelle. Ah bah, du coup, il va quand même tenter l'attaque d'opportunité là. Ah bah oui, qu'il essaye. Hein. Il va toucher. Aïe aïe aïe. Il te fait. Est-ce que Minerva, tu utilises ta réaction? Ben ouais, allez. Ok, il t'a fait du coup 3 plus 7. T'as fait 5 points de dégâts, Toto. C'est vrai? Ah bah ça va. Non, ça, non 3 plus 5. Mis... Ah non, excuse-moi, non, il t'avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Il t'a fait juste 3 points de dégâts. Donc si j'active la roue, ça marche ou pas? Ah bah non, là tu peux pas, je vais juste moins 3 du coup. Ok, je le fais. Il est un Pibble 2. Allez, il m'a touché au mollet. Ouais, il t'a touché le mollet. Et du coup, t'es du côté de l'échelle. Minerva, c'est à toi. Eh ben, attaque. Fais tout le monde. Tu touches. Bon. Oh, bravo. Pas une chute, c'est une retraite stratégique. 8. Voilà, tu lui fais 3 points de dégâts. Mais c'est infini, en fait. Trop bien. Je comprends pourquoi c'est des soldats. Oh, ouais, ils sont trop. Oh! Crit ça du coup! Oh. Ouais, crit, c'est un crit! Oui! Vivante de l'enfer! Oui! Oui. C'est pas vrai! Ouf, il pose un genou à terre! Du coup, tu nous redonnes du. Ah ouais, non mais voilà, tu nous as reboosté là! T'es en train de lui niquer sa race! Eh ben. Il te reste une action du coup? Bah allez, pour le beau jeu. Non, c'est... Voilà, mais du coup, tu lui as mis un gros coup de lance. Tu l'as pratiquement empalé contre le mur. Cosimo, c'est à toi, tu as vu ça. Juste une question. Est-ce qu'elle a la crit spé? Non. Non. Non non, non, elle a... non, non, son allié, c'est le cheval. Ok. Ok, moi, je vais... ragaillardi par cet exploit et cette bravoure. Je vais honteusement lancer un couteau dans le. Tu peux lancer tes deux couteaux et ton deuxième il aura la sournoise. Je ferai. Voilà, je vais faire ça. Chic. Moi j'y crois. Attaque. Oui. Donc je fais des damage. 8. 8 ou
Voilà, et le deuxième, son arme automatique sur le deuxième. À moins 4. Touche. Dommage, 9 plus 1 des 6. Presque mort. Allez, on y croit. Il est presque 5. Mort. Poup. Je savais qu'on pouvait se le faire. Je n'ai jamais fait. Il est mort. Bravo. Le combat est fini du coup. Oh. On se soigne et on remonte à l'e... On remonte et on se soigne. J'ai peur qu'on arrive au milieu de la révolution. Si y en a qui est mort, je le surine, hein, je m'en fous direct. Vous allez remonter en haut et au niveau du quartier noble, c'est calme, y'a pas personne dehors. Voilà. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'ombre... Oui, on l'a vu. Il nous a vu, il a filmé. Il a tout filmé, le combat. Et il était en invisible. Il était pas en invisible, mais il était caché là-bas. Il a tout filmé, le combat. Mais bon. Ah là là. Oui, enfin, il a filmé. Je veux dire, on a été masqués, on était... voilà. C'est vrai. Après, Minerva a pris aucun coup, donc du coup... Voilà. C'est vrai. Elle est vraiment pas suspecte. C'est vrai qu'on m'a vu mourir. Qu'on a vu Cosimo tomber, ouais. Et du voilà. coup, vous allez du coup remonter à la surface. J'imagine que vous allez vous rendre... Voilà. Vous allez essayer tout le monde avant là. Vous allez vous rendre compte que vous allez arriver directement en fait dans ce coin-là, très très proche du château. Alors, t'es où avec la souris, près du château? Ok, c'est ici, normalement, qu'il faut aller, après. Okay. C'est la maison à côté de l'Académie des Mages. Ouais, c'est celle-là. Donc, du coup, vous allez pouvoir passer... vous allez pouvoir vous glisser, en fait, entre les maisons de nobles, directement jusque chez Minerva. Je vais pas vous remettre la map de la maison de Minerva, parce que sinon, on va planter. Mais j'imagine, que, voilà, j'imagine que vous allez laisser Minerva rentrer chez elle. Et aller chercher une auberge. Vous allez trouver rapidement une auberge de luxe. Oh. Qui vont vous demander. Voilà. Enfin, en fait, vous avez le choix. Vous pouvez prendre une auberge ou alors vous pouvez reprendre les snap-lifts et retourner sauter. Alors, non. Moi, je propose qu'on prenne l'auberge. On prend une auberge de riche, comme ça, on volera des robes de chambre. Alors, vous allez aller dans l'auberge de luxe. Du coup, vous allez pouvoir voler des robes de chambre. Et vous allez pouvoir surtout faire quelque chose d'incroyable. Vous l'avez. Quoi ? Oh ! Oh ! Voilà. Oui, c'est trop bien. Donc, vous passerez la nuit. Je vais faire un jeu de représentation dans la baignoire pour chanter. Et les deux pièces de platine, les trois pièces de platine, elles auront servi. Hein. Alors, ouais, par contre, les trois pièces de platine, t'en as une et demie qui saute. Hein. Quoi ? Non, mais on c'est 15 pièces d'or le séjour ? C'est 15 pièces d'or, c'est 5 pièces d'or chacun. Hein. Mec. Tu sais où ah on est, ouais. Ah non mais là par contre vous allez avoir le repas servi, vous allez avoir un sauna. On vient de Bon bah je vais. Dernier moment, tu vois, il faut qu'il nous foute dehors pour le check-out. Je vais dépenser mes 15 pièces d'or dans la douleur. Donc du coup tu payes pour tout le monde. Ouais, j'ai dit que je paye pour tout le monde. Ok. Donc vous allez récompense après ce dur labeur. Ouais, son portefeuille pleure. Et elle aussi. Voilà. Mais c'est fou que c'est le retour qui a fait plus mal. Vous allez quand même vous poser quelques questions. Hein, pourquoi il y avait des diables dans les égouts? Ouais. Oui. Ah, surtout qu'ils étaient bien du côté de la sortie, près du passage secret. Mais peut-être que c'était eux qui influençaient le roi. Ça, c'est peut-être qu'ils ont la peste du cul au roi. Mais enfin, peut-être qu'ils nous attendaient aussi. Ça me paraît un peu bizarre qu'ils étaient vraiment là à nous attendre. Ah bah... En fait, moi, je pense pas qu'ils nous ont attendus. Je pense qu'ils allaient porter la peste et puis ils sont revenus. Ou alors, peut-être que le bébé mouche dégueulasse, ça fait bzz, 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 et ils se barrent, ils sont enfuis, ils vont essayer de sortir. Et qu'il y en avait un à chaque sortie d'égout, en fait, puisqu'on est à la celle-là, tu vois. Après, il y a peut-être un autre lien. C'est s'il m'a dit que c'était des démons de l'accusation ou je sais pas quoi, et qu'en dehors, tout le monde était en train de s'accuser qu'il avait tué. Mais oui, il y a peut-être un lien. Hein. Mais oui, c'était pas que l'alcool. Non, mais les mecs bourrés sont cons. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc qui était très. C'est toi qui as tué le roi, tu vois. C'est vrai.
Bon, après, on les a accusés nous-mêmes aussi, tu vois, mais c'était pour sauver les enfants, ça. Ok. Et du coup... Bon, je vais faire une petite dernière scène, ce soir. Oui, on aime bien. Petite ouais. dernière scène. Vous allez tous, du coup, vous endormir dans une auberge de luxe. Je pense que vous allez faire la grasse mat. Oui. Oui. Et quand vous allez vous réveiller, vous verrez des mouvements de foule qui vont vers le château et des gens crier en ville « Une annonce royale va se tenir ! Tout le peuple de Fontépineau est prié de se rendre devant le château pour écouter le discours du roi !» Mais il est mort ? Mais le roi est mort ? Oui, le roi est mort, vive le roi, il y en a un autre. Tac. Et du coup, j'imagine que vous allez vous rendre là-bas ? Ah bah oui, oui. Ouais, bah oui. Bah oui. Démasqué, bien évidemment. Démasqué, oui. Démasqué. Et quand vous allez vous rendre là-bas, du coup, vous allez voir se tenir sur le balcon où qu'il est. Oh là là. Où qu'il est. Où qu'il est. Oh mon Dieu. Vous allez voir lui. Oh là là. Il a fait son putsch. Vous allez voir lui qui est là. Il a été sur le balcon. Du coup, il va s'adresser au peuple, en fait. Il va dire « Peuple de Fontépineau, aujourd'hui est un jour sombre pour notre royaume. Aujourd'hui, je viens à vous avec de terribles nouvelles. Hier soir, alors que le roi dormait, alors que nous espérions tous qu'il se remette de sa maladie, un homme plein de vices, s'est introduit dans le château. Son frère, Lance, a tenté de protéger le roi. Mais malheureusement, il n'a rien pu faire face à la perfidie de cet homme. Cet homme se fait appeler Albatar, l'enculé des mers. Ce vil fielon s'est introduit hier dans le château. Il a assassiné Sa Majesté Giovanni IV, ainsi que son frère, et a emmené le jeune prince héritier Lance Junior. Avec lui, cet homme a privé aujourd'hui Fontépineau du plus glorieux roi qu'il y ait jamais connu, et a privé notre pays de la plus grande lignée de rois que nous ayons jamais vue. Aujourd'hui, la lignée des Avalanca est tombée. Mais, peuple de Fontépineau, nous ne pouvons pas... bien sûr, nous devons de pleurer une royauté aussi mémorable. Mais nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons malheureusement pas nous permettre de pleurer tout de suite. Cet homme, Albatar, s'est enfui avec notre prince héritier. Nul ne sait ce qu'il pourra le faire. Nul ne sait ce qu'il pourra lui faire. Aussi, je demande à tous les navires de Fontépineau de prendre en chasse immédiatement cette ordure. Bien sûr, en l'absence d'un véritable roi, Nous allons avoir besoin de quelqu'un pour diriger le royaume. Mais ne vous en faites pas. Le chaos ne restera pas plus longtemps dans cette ville. Car moi, Francesco Spedale, conseiller du roi, je me porte volontaire pour assurer la régence du royaume de Fontépineau. Jusqu'à ce qu'un véritable roi soit trouvé. Peuple de Fontépineau, soyez-en rassurés. Nous ne laisserons pas de tels actes se passer impunément. Soyez forts, soyez justes. Et gardez la tête haute. Et surtout, longue vie au roi Giovanni IV. Enfin, le roi est mort, vive le roi. Oui, non, mais voilà. Non, le roi, il est mort. Mais non, mais c'est voilà. En gros, si le roi est mort, vive le roi, quoi. Tu vois qu'il va se mettre à crier, du coup les gens du peuple vont crier avec lui. Et je vais vous laisser faire un petit jet de perception, le petit dernier de la session. Ok. Oui. Ah, si je réussis, nice. J'espère que je réussis.
Ok, je vais attendre. Oh! Karina, et surtout toi, Catalina, vous voyez le petit sourire de méchant au moment où il retourne dans le Le palais. complot! Vous voyez le petit Le sourire complot, vous il voyez a le réussi. petit sourire du complot au moment où il rentre dans le palais. Et je propose qu'on arrête la session sur le sourire de comploteur. Bravo! Oh, Bravo à lui. magnifique! Ah là là! Oh, c'était Le méchant. Le C'était lui le méchant! méchant. Le méchant. Est-ce que j'imagine que quand on verra des posters, des affiches de Albatar recherché, on fera. Putain, c'était lui! Ah oui, non, non, mais vous verrez les affiches de Albatar recherché. Moi j'ai fait le ra... bon parce que je pense qu'il a fait le rapprochement, il a vu un enfant qui se fait kidnapper et qui était Un enfant roux? un enfant roux Ah, je voulais pas parce qu'on en montrer. a pas. Tu nous as pas montré la photo, mais t'as dit c'est un enfant roux et tu l'as décrit. C'est ça. Après, je vous ai dit un enfant roux. C'est vrai que je vous ai pas montré la photo, mais je vais vous la montrer maintenant quand même. Vous l'avez déjà vu? Oh. Oh oui, il avait une couronne, mais oui. Ah oui, mais c'est ça. En fait, il avait une couronne et j'ai pas capté. Tu vois, j'étais là, mais ça, il me dit quelque chose. Bon, il n'avait pas la couronne quand il était dans le bateau d'Avatar, mais voilà. Mais du coup, le fait que les enfants, les descendants aient la cheveux blancs, c'était une fausse rumeur, en fait. Non, En c'est un fait, homme. Lance Junior, c'est le fils du frère du roi. Donc Donc. ce serait lui qui serait monté. Si le roi était mort et que le gamin n'avait pas disparu, ça aurait été lui qui aurait été sur le... Non, ça aurait été son père ou lui sur le Bah, trône? c'est Ça ça. aurait Est-ce été que son pourquoi c'est père pas sur le Lance? trône, sauf que son père aussi s'est D'accord. fait tuer. D'accord, donc ça aurait dû être lui. Le gamin a disparu. Ah ben encore? Ça fait beaucoup là, non? Et donc, l'enfant avec les cheveux blancs, c'était juste une personne qui aurait pu être enfin, mise sur le trône, c'était l'héritier légitime. C'est Mais ça. maintenant qu'elle n'est pas là, on s'en fout. Le truc En c'est fait, que peut-être là il y a même pas c'est le qu'il deuxième en ah, là, fait ouais, en fait là, y sur a... la là, liste. le truc c'est que là du coup on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de fils du roi sauf si bien sûr cet enfant blanc existe vraiment, cet enfant avec les cheveux blancs existe vraiment. Et où du coup l'héritier légitime c'est bah, ce petit garçon roux qui a été enlevé par Albatar. Ouais. Ouais. Moi, je pense Ouais. qu'il est arrivé sur place, on lui a demandé Ouais. d'assassiner, et en fait, c'est pas ça, on le voulait pour l'accuser. Sauf Moi il a été j'ai. badass et il est parti avec le Ouais. gosse. Moi en fait, Peut-être moi qu'il j'ai l'a même l'impression. protégé. Il Ah, voulait c'est ça. prévenir ou apporter quelqu'un. Et en fait, il est arrivé, tout le monde était mort. Il s'est battu et il a sauvé le gamin qui voulait tuer, tu vois. Ah, mais moi, je pense qu'il était payé pour le tuer, en fait. Parce qu'il l'a dit, c'était déjà fait mon job. Non, il a dit je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé trop tard. Oui. Oui, pour faire son. Ouais, pour. Ah Mon oui, alors avis, soit il était payé. Ah oui, il a d'accord. été payé pour défendre, je pense. Ouais, c'est vrai Pour que dans défendre sa du part, complot. je l'ai compris en mode pour assassiner, en fait. Ouais. Mais ça Mais peut c'est pas être ça. Albatros, il peut pas être méchant, c'est Je celui-là. Fais un peu du méta 5 sais. secondes. C'est un bâtard, mais il est pas méchant. Ouais, mais c'est ça. Mais pas tout le temps, voilà. Mais C'était de toute façon, super, voilà, bravo. ça sera pour la suite. Et puis, il faut se rappeler aussi que c'est... Bon, vous ne le savez pas en tant que... Enfin, le joueur, le personnage, qui le sait. Malheureusement, c'est celui qui était absent cette session. Évidemment. Oui. Voilà. Mais il le sait que c'est le père de vedette, quoi. Voilà. Oh. Est-ce que le père de quelqu'un Oh. qui jette des molotovs dans des fleuries pourrait être un comportement mauvais? Je ne pense pas. Voilà, elle n'a pas vraiment eu de figure paternelle, mais est-ce que c'est une personne méchante? Je ne pense pas. Non, regarde qu'on est super gentil avec nous. C'est grave C'est vrai. utile. C'est vrai. Regarde comment elle était avec les enfants. Voilà, c'est tout. Ouais. Voilà, si tu t'en fous. J'espère qu'ils vont manger leur soupe parce que bon. Sinon, elle les crame, mais. Je lance un molotov dans ta maison, je m'en fous. Elle a vu, c'était le bordel, elle a attrapé sa molotov et elle est allée. Voilà, en tout cas, du coup, merci à tous ceux qui ont suivi cette session. Oui. Merci à tous dans le chat, vous avez été nombreux, ça fait plaisir. La prochaine fois, ce sera des petites révélations, hein, l'interrogatoire du coup de Raffaello. Bah, qu'est-ce qui se passe avec Albatar, quoi, hein, vous allez pouvoir vous poser les questions. Oui. Puis Oui. on verra bien ce qui se passe.
Et du coup, je vous donne rendez-vous à tous déjà lundi prochain chez Cécile pour la partie de Pathfinder Far West. Sans miroir. La fin de cette tour. Sans miroir. Sans miroir, oui. On espère, oui, sans plat de miroir. Et du coup, mercredi prochain aussi pour la suite de Fontepino. À bientôt tout le monde, ciao. À bientôt, ciao. Salut. Bisous.